Bonsoir. Bienvenue dans un nouveau live où les humains vont mourir. J'espère que vous allez bien, que vous m'entendez correctement, tout ça, tout va bien, ça va tranquillement. Alors avant que ça commence pour de vrai, je rappelle qu'en ce moment sur YouTube, c'est un petit peu spécial. Donc si vous êtes en rediff et que vous avez un décalage entre le son et l'image, sachez que c'est pas de la faute de la vidéo et checkez dans les commentaires, il y aura sûrement un re-upload si jamais ça arrive. Voilà, je voulais vous le dire avant que ça commence vraiment parce qu'il y a toujours des gens à qui ça arrive et puis ils n'écoutent pas toute la vidéo et du coup, bah, ils savent pas. Donc voilà. Deuxième chose, et alors là, je ne comprends pas bien, mais quand j'ai annoncé mon live, j'ai reçu plusieurs fois le commentaire comme quoi le titre, on dirait Bob Lennon, nanani, nanana. Enfin, je me suis dit, quoi? J'ai pas compris. Je pense qu'on a eu le même délire sur les sur l'anéantissement de la race humaine, mais je suis allé regarder, il met jamais ce titre, donc j'ai pas compris le délire. Ce cher Bob a dû avoir le même délire, et ça je pense que c'est tout à fait lui, hein. C'est tout à fait lui, ce délire de Terminator et de tuer tous les humains. Donc je pense qu'il l'a dit à un moment, et du coup de l'avoir écrit, enfin je sais pas, j'ai reçu plein de commentaires me disant. Mais c'est la phrase de Bob. Je dis, ah bon, enfin, j'ai pas compris. Enfin, bref, voilà. Sachez que cette blague, enfin, du moins, je le crois, n'est pas récente, non? La blague des robots qui tuent les humains en disant « tuer tous les humains », non? C'est pas nouveau. Rassurez-moi, je suis pas le seul qui pense que c'est très vieux, ce genre de délire, et qu'on l'utilise à chaque fois qu'il y a des robots, non? Enfin voilà, il me semble, en tout cas. Sachez aussi, comme d'habitude, que le chat va passer en mode sponsor dans quelques minutes, que vous pouvez aller sur Twitch, puisqu'il y a le double stream, vous pouvez aller sur Twitch pour continuer à discuter gratuitement. Il n'a pas mis un titre, mais il a commencé tous les épisodes en parodiant Détroit par détruire tous les humains. D'accord, mais bon, le délire comme ça, on l'a depuis le début qu'on fait ses lives, non? Donc bon, je sais pas. Ma foi. On va croire, je pense qu'on n'est pas, on n'a pas le droit d'avoir la même blague que les autres. On va dire ça. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, donc on va terminer le jeu ce soir. Je sais pas jusqu'à quelle heure ça va durer du coup, parce que ça dépendra si on y arrive. Hein. Si on y arrive, mais le but, ce sera donc de tuer tout le monde, de faire une révolution violente, mais aussi d'être full Amanda et full robot avec Connor. Enfin, full robot, ça dépend. Mais bon, d'être pour Amanda. Ce qui veut dire quand même, sans doute, potentiellement tuer Marcus. Hein, ou du moins l'arrêter. Voilà. Donc, il va falloir faire ça et c'est notre but premier. Après, pour cette chère Alus, je vous rappelle que Alus, c'est Alice. Hein, le but, c'est aussi de s'en débarrasser, elle, de la poser quelque part et de qu'elle nous saoule plus. Voilà. N'hésitez pas à me dire si le son de mon micro, il y a du bruit de fond ou non, parce que je peux changer, il y a le ventilo voilà, il y a le ventilo parce qu'il fait très chaud. Pourquoi le chat est en mode sponsor? Parce que j'ai pas tant de raisons que ça, je pense que, en fait, tu lis le chat et tu comprends vite pourquoi. Franchement, il y a des messages très chelous, des gens qui spamment, des gens qui insultent, des gens qui posent des questions très bizarres. Donc non, c'est vraiment bizarre et du coup, il y a des messages très, très sympas qui passent à la trappe à cause de ça. Mais n'hésitez pas à aller sur Twitch, c'est complètement gratuit. Et là-bas, tout le monde peut parler, hein, donc voilà. Je sais pas jusqu'à quelle heure ça va durer du coup. Je ne sais pas. Bon après là pour le moment on n'entend pas bien le son du jeu donc je sais pas ce que ça va donner. Allez, on va passer en mode sponsor. Merci Xeno, je viens de voir ton soutien passer. On va passer en mode sponsor. N'hésitez pas à aller sur Twitch. Hein, je le rappelle, Twitch, il n'y a pas de souci. C'est gratuit. Vous avez le même live, hein, exactement pareil, mais avec le chat gratuit. Voilà. Donc, bienvenue au mode soutien sponsor. Bienvenue à vous. Xuerped, coucou. Qui
est silver, mais qui va bientôt passer gold. Coralie, bon, Christelle, je sais pas si je t'ai dit bonjour, mais coucou. Toinou slash Toinoux, qui est toujours là. Mais il y a aussi du monde sur, sur Twitch. Écran lumineux. Ah non, là, l'écran lumineux n'est pas encore là. Attention, attention, l'écran lumineux, il peut arriver d'une seconde à l'autre. Non, mais voilà. On fait un petit coucou aussi à Amino. Comme d'habitude, vous avez l'Amino du jeu dans la description. Hein, je rappelle que je suis partenaire avec Amino et du coup, bah, je partage les Amino des jeux auxquels je joue en live, hein, quand je peux. Et en particulier sur D3, parce qu'il y a beaucoup de dessins sympas qui se font là-bas. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui partagent leurs dessins. On peut peut-être avoir un délire, comme l'histoire du café ou du Terminator. Peut-être qu'il y aura un délire aujourd'hui. Et donc, n'hésitez pas à le dessiner, pas forcément le partager pendant le live, hein, vous pouvez, mais à le partager ensuite. Hein. Pas de problème là-dessus. Sachez aussi, donc je vous avais dit qu'on jouerait bientôt à Crash Bandicoot 3. Et Amino m'a proposé de faire de la pub aussi pour l'Amino de Crash Bandicoot, donc ce sera l'occasion. Et je pense que je ferai gagner un jeu à ce moment-là. Donc si vous voulez gagner Crash Bandicoot, sur PS4 sans doute. Parce que je crois pas qu'il soit encore sorti sur Switch, mais bref. Si vous voulez gagner ce jeu, bah, n'hésitez pas à installer Amino, parce que je pense que je ferai un concours dessus. Mais alors je sais pas quand est-ce que j'y jouerai, peut-être jeudi prochain du coup si on termine ce live, enfin ce jeu aujourd'hui. Ça correspond à quoi la brioche dorée? Bah, ça veut dire qu'il est sponsor depuis un an. Si tu passes la souris sur les médaillons là, de sponsor, tu vois. Je vois que Dame Anna Beral, du coup, tu es nouveau soutien. Thor est soutien depuis 2 mois. Xverped depuis 11 mois. Frère depuis 2 mois. Et Kevin depuis 1 an et 6 mois. Enfin bref, etc. etc. KH en live, le désespoir. Ah oui, alors le KH en live est toujours prévu aussi. Hein. Le fameux KH en mode accéléré. Encore un débat couleur. Mais il n'y a personne qui a le médaillon Diams, hein. Parce que c'est 2 ans. Personne n'a le médaillon Diams... Enfin, couleur Diams Minecraft. C'est-à-dire qu'il est bleu clair, quoi. Comment on devient sponsor? Donc, c'est sur YouTube. Hein, tu vas dans la description du live YouTube et tu auras un lien. Alors, merde, j'ai oublié de faire un truc. Oula, j'ai oublié de faire un truc. Attention les yeux. Attention les yeux, parce qu'il y a de fortes chances que ce que je vais faire va réactiver le chat. Tenez-vous prêts, les fauves vont peut-être être relâchés. Ça m'étonnerait pas. Tentative d'expérience, tentative. Soft Sun, première fois que j'arrive à joindre un de tes lives ayant moi-même fait la route dark. Et voilà, ça va encore désactiver. Je suis content que tu t'engages sur cette route. Merci à toi. Attends, je vais lire ton pseudo. Soft Sun, voilà. Je sais pas pourquoi, tu vois, si je change un truc dans la description, ça réactive le chat. Enfin, y a aucune logique là-dessus. Mais vous savez, YouTube, faut pas trop le stresser. Hein. Des fois, il est un peu... Il est à cran. Hop. Anarchie. Mon dieu. C'est bon. C'est bon, tout va bien. Allez, je bois un coup. Et puis nous démarrons tout ça. Il me semble qu'on avait vraiment commencé le mode Terminator, parce que là on avait vraiment fait la révolution, on avait cassé des choses, on avait tué des gens, enfin bref, là la révolution a vraiment commencé, hein. La violence est présente et le sang est présent. En parlant de sang, attention à ce que vous n'ayez pas les yeux qui saignent, parce que je vais enlever le filtre noir de l'écran. Attention. Ready? C'est parti. Hop, voilà, je lance le game. Je lance la cam. Ok. Et j'enlève Amino. Pouf. Concernant le chrono, je suis pas sûr d'en mettre parce qu'à chaque fois, je sais pas trop. J'en mets. Je sais pas, ça sert à rien, quoi. Là, je sais pas quand est-ce que je vais faire une pause. Donc voilà. Ah, on était ici. Ok.
Bonjour, mon cher Connor. Oxali, enfin je peux voir un live, surtout après le boulot, ça fait du bien. Merci à toi. Vous me dites si le son est trop fort, hein? N'oubliez pas. Je sors, y'a pas de soucis. Allons-y. Toujours en train de faire un live en slip? Peut-être. Peut-être. En tout cas, on pourrait voir mes genoux, là. Hein. On pourrait pas remonter trop, quoi. Est-ce que tout va bien, lieutenant? Chris faisait une patrouille hier soir, il s'est fait attaquer par des déviants. On a retrouvé son corps en début de matinée. Oh. Il a été abattu de sang-froid avec son arme de service. Il était papa depuis 3 mois. Putain, pourquoi c'est à lui que ça arrive? La violence. Je ne On est là pour ça. Miller, mais... Merci la team des ça geeks. Ça avait l'air d'être quelqu'un de bien. Et bienvenue à Shakespeare. Ouais. Magnifique pseudo. Je vous préviens, vu qu'on va être dans le game, je vais pas forcément lire tout. Enfin, il y a peut-être des moments où je vais pas lire forcément les soutiens. Très bien. Kamsky a quitté Cyberlife il y a 10 ans. Pourquoi voulez-vous le rencontrer? C'est le type qui a créé le premier androïde qui a réussi le test. Merci, Kevin. Et c'est le fondateur de Cyberlife. S'il y a bien quelqu'un qui peut nous parler des déviants, c'est lui. Il y a ton fils qui surveille. Faut pas que je dise trop de gros mots, c'est ça? Merci, Hatim Moukni. Bienvenue. Bonjour. Je suis le lieutenant Hank Anderson de la police de Détroit. Je viens rendre visite à Monsieur Elijah Kamsky. Je vous en prie, entrez. Bah, je pense tuer l'androïde, oui, hein, puisqu'on n'a pas fait ce choix la dernière fois, et puis que là, on est en mode Amanda, et Amanda, elle veut savoir où sont les déviants, et ça va aider Amanda, quoi. Je vais prévenir Elijah, je vous en prie, faites comme chez vous. Faites comme chez vous, moi je regarde, voilà, c'est magnifique. Quelle belle pièce, je fais comme chez moi, et puis là, j'analyse. J'analyse. Amanda n'est pas vraiment là. Jolie fille. Ouais. C'est un RT-600. Le premier androïde Cyberlife à réussir le test de Turing. Je t'ai pas demandé de me faire sa fiche technique, je te dis juste qu'elle est jolie. Merci Alina. Mais ce n'est pas une fille, c'est pas parce qu'elle a les cheveux un peu longs que c'est une fille. Parler d'Amanda, j'espère. Fondateur de Cyberlife, très bien. Belle baraque. Les androïdes représentent une affaire juteuse, on dirait. Dis donc, tu vas rencontrer ton créateur, Connor? Qu'est-ce que ça te fait? Je m'en fous, laisse-moi tranquille. Je ne sais pas. Je vous dirai quand je le verrai. Parfois, je voudrais me retrouver face à mon créateur. J'aurais une ou deux réclamations à lui faire. On peut y aller, s'il vous plaît? Merci la team des geeks. Et coucou Picture! Épisode drôle de Mario aujourd'hui. Mais j'essaye, mais après bon, faut pas... Ah là, voilà. Faut pas s'habituer parce qu'il y a peut-être un jour ça va pas être rigolo et puis tout le monde peut être déçu. Elijah va vous recevoir. Allons dans la piscine de vin rouge. Elle est quand même classe sa maison. Par contre cette piscine rouge, franchement c'est assez perturbant. Hein. Un instant, je vous prie. Quel fessier! On avait déjà commenté ce corps musculé la dernière fois. On avait dit qu'il s'entretenait. Mais tu vas me pousser dans l'eau, toi, ou quoi, là? Pénible. Une piscine de sang. Allez, on sort, là. C'est quoi cette impolitesse? T'as des invités, on y va, là.
Hop hop hop. Voilà. Montre-nous ton petit slip là et réponds à mes questions surtout. Bonjour. Je suis lieutenant Anderson. Voici Connor. Que puis-je faire pour vous, lieutenant ? Monsieur, nous enquêtons sur les déviants. Je sais que vous avez quitté Cyberlife il y a longtemps, mais j'espérais que vous pourriez éclairer notre lanterne. Les déviants. Ils sont fascinants, n'est-ce pas ? Des êtres parfaits, dotés d'une intelligence infinie, et maintenant du libre arbitre. Les machines nous sont tellement supérieures. La confrontation était inévitable. La plus grande invention de l'humanité menace de causer sa perte. Ironique, n'est-ce pas ? Il semblerait que le programme des déviants puisse simuler des émotions. Nous aimerions en savoir un peu plus sur ce phénomène. Les idées sont des virus, elles se répandent comme les épidémies. On veut tuer, nous ? Le désir d'être libre serait-il une maladie contagieuse ? Trêve de blabla. Écoutez, je suis pas venu pour parler philosophie. Plus de tracas. Vous avez créé, prépare peut-être une révolution. Soit vous êtes en mesure de nous aider, soit on s'en va d'ici. Tu l'as. Et toi, Connor ? C'est le but. Ça devrait faire plaisir à Amanda, je pense. Par contre, Hank, il va être foutu. Je suis dans le camp des humains, bien sûr. Eh bien, tu es programmé pour dire ça. Mais toi... Que désires-tu réellement ? Je désire combler Amanda. Il me semble que c'est à nous de poser les questions. Allez, remballe. Chloé. J'imagine que vous connaissez le test de Turing. C'est une formalité. Une simple question d'algorithme et de puissance de calcul. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les machines sont capables d'empathie. J'appelle ça le test de Kamsky. C'est très simple, vous allez voir. Magnifique, n'est-ce pas ? L'un des tout premiers modèles intelligents développés par Cyberlife. Tu sens ? La jeunesse. Et la beauté éternelle. Une fleur qui ne fanera jamais. La mort, la mort, la mort, la mort. Mais qu'est-elle réellement ? La mort. Un morceau de plastique qui imite les humains ? Ou un être vivant ? Doté d'une âme. Ça va être à toi de répondre à cette question fascinante, Connor. Si tu détruis cette machine, je te dirai tout ce que je sais. Si tu l'épargnes, parce que tu estimes qu'elle est vivante, tu repartiras d'ici sans avoir rien appris. Ok, je crois qu'on a terminé. Viens, Connor, on y va. Désolé de vous avoir sorti. Qu'est-ce qui est le plus important, Connor ? La mission ! Ton enquête ou la vie de cet androïde ? Montre-nous qui tu es. Une machine obéissante. I'm ready. Ou un être vivant. I'm ready. Doté du libre arbitre. Ça suffit, Connor, on s'en va. Appuie sur la détente. Connor ! Non ! Et je te dirai tout ce que tu veux savoir. Test négatif. Tu as fait passer ta mission avant la vie d'un androïde. Tu ne ressens pas d'empathie. Je tiens toujours Rest parole. In peace, computer. Pose-moi une question. Et je te dirai tout ce que je sais. Alors, attends. Faut choisir une question. Emplacement de Jericho, RA9.
Je veux savoir comment la déviance se répand. J'ai pas demandé Jericho parce que je pense que c'est pas la meilleure chose. Les androïdes échangent des données d'identification quand ils se rencontrent. Une erreur dans ce programme se répandrait comme un virus et se transformerait en épidémie. Le virus resterait dormant jusqu'à ce qu'un choc émotionnel survienne. Un accès de peur, de colère, de frustration. Et l'androïde devient déviant. Tout a probablement commencé par une erreur de copie sur une unité. Un 0 à la place d'un 1. À moins qu'il ne s'agisse d'une sorte de mutation spontanée. C'est tout ce que je sais. C'est une question intéressante, Connor. Mais je doute que ma réponse te soit très utile. Me touche pas ! Une guerre se prépare. Tu vas devoir choisir ton camp. Vas-tu trahir ton peuple ? Ou te rebeller contre tes créateurs. Je n'aimerais pas être à ta place, Connor. Qu'y a-t-il de pire que d'avoir à choisir entre deux camps? Les meufs dans la piscine s'en fichent complètement. Ah, au fait. Oh, vite fait, quand même, elles sont peut-être un peu intriguées. J'intègre toujours une issue de secours dans mes programmes. Qui fait péter des pétards? Au cas où. Ça y est, il y a un chip Connor Kamsky. Bah alors là, il va faire la gueule. C'était cette fille, bordel de merde. Ce n'était pas une fille, lieutenant. C'était une machine qui ressemblait à une fille. Tu as le flingue contre sa tombe et tu lui as explosé la cervelle. J'ai fait ce que j'avais à faire pour que l'enquête progresse et je recommencerai s'il le fallait. Tu es une racaille. Tu ressens jamais rien. Une machine, c'est tout ce que t'es. T'es rien qu'une putain de machine. Bah t'es pas cohérent du coup, hein. Bien sûr que je suis une machine. Si c'est qu'une machine, c'est pas grave du coup. De la tuer l'autre. Pris pourquoi ? Je croyais que... Agrugru. Bah, Jericho, je me dis que de toute façon, on peut le récupérer comme on l'a fait dans le Let's Play, donc c'est pour ça que je voulais autre chose. Peut-être que Hera 9 était intéressant. Ah, du coup, on est complètement sur l'autre branche, là. La décision de Connor a déçu Hank. Oh, il est déçu. Il est déçu. On l'a questionné sur le virus, du coup. Hein. Bon, on verra si... Enfin, si c'est utile. Hein. On verra. Alors là, ce serait le moment de poser un gros stop à North. On va la friendzoner. Attendez, on va regarder un petit peu ce qu'il y a autour avant, parce que j'avais pas trop regardé. Et ça me fera quelques points. Du coup, maintenant, il est en mode Terminator, il va vous faire des trucs funèbres. Magnifique. Ah mais il est parti direct là-bas, ok, bon, trop bien. Camarade. Je suis là, j'ai besoin d'être seul. J'avais besoin d'être un peu seul. D'ailleurs, tu me déranges un peu là. Coucou Karma. Ouais, Kamsky, il doit savoir où est Jericho, mais il le dit pas. J'ai l'impression d'être seul avec lui. Un gros stop à North, c'est tout ce qu'elle mérite. Il en vient encore de toute la ville. Ceux qui veulent être libres viennent à Jericho. Les choses changent. J'ai l'œil qui gratouille. T'as l'air préoccupé. Remords, attrait du pouvoir. Hier, quand on a mis le feu à cet endroit, tous... Ce chaos, ces flammes. J'ai aimé ça. Sur le moment, j'ai adoré ça. Ah oui! Le pouvoir. La violence. Le sang.
Et je m'en veux de l'avoir. Mais non ! Tous les médias parlent de ce qu'on a fait la nuit dernière. Les humains sont terrifiés. Ils redoutent une guerre civile. Beaucoup de nos frères ont été brûlés en réponse à ce qui s'est passé. Les humains nous détestent. Ils ne nous libéreront jamais. Fataliste. Il est trop tard pour faire machine arrière. On doit finir ce qu'on a commencé et espérer que la raison l'emporte. Tu ne nous as pas beaucoup parlé de toi depuis que tu es ici. Qu'est-ce que tu Merci beaucoup, Arcania, merci beaucoup. Deuxième live où tu peux tipser. Ou un soutien, attention, ce n'est plus des tips. C'est sans importance, ne me saoule pas. L'important n'est pas qui j'étais. Allez. Ce qui compte vraiment, c'est qui je veux devenir. Allez, je me casse. Ciao. Où est-ce que tu vas ? Parler aux humains. C'est triste, regardez-la seule dans le dans la neige. Merci Loïc, t'inquiète, il y aura de la violence. Il nous la faut. Un câlin, un câlin, un câlin. C'est comme Sidon, mais c'est avec Simon. C'est Simone. Merci CM Panda. Je t'ai pas remercié, je crois. Et Ouzo, coucou. C'est du suicide. On va tous se faire tuer, je t'en prie. Placement médic. Tu peux encore changer d'avis. T'as pas l'air de comprendre. On va enfin leur montrer qui on est vraiment. Ça, y a pas de nouvelles pour le placement de produits médic. C'est un risque que je suis prêt à prendre si notre peuple y gagne sa liberté. Marcus. Je t'en prie, fais pas ça. Ils comprendront. Nous allons les convaincre. En voiture, Simone. Je pense que c'est la seule solution. Bien. Il y a des androïdes ici qui peuvent nous aider. Plus on sera nombreux, plus notre message sera fort. Go convertir tout le monde. Bonjour. Bonjour. Merci. Tu es libre. Waouh, ses yeux, lui. Tu es libre. Je vois tout maintenant. Le monde s'ouvre à moi. J'avais pas remarqué ça dans le premier let's play. Oh mon dieu, je vois clair à nouveau. Tu es libre. Il a vu la lumière. Erika, j'en profite d'un soutien un peu plus gros que d'habitude pour te dire merci pour tout le bonheur que tu nous donnes. Je suis tombé sur ta chaîne en cherchant Let's Play FF15 et je regrette pas d'être tombé sur toi. Merci énormément, n'hésite pas à regarder d'autres Let's Play de FF parce qu'on en a fait beaucoup. Alors il y en a qui sont un petit peu vieux, mais ça reste cool. Merci énormément, je suis content que des gens arrivent sur la chaîne grâce à Final Fantasy. Hein. Et du coup, Ouzo, qu'est-ce que tu disais tout à l'heure ? Je viens d'avoir la bêta de BFA, donc go. Ah, d'accord. Bah, amuse-toi bien. Amuse-toi bien. Mais BFA arrive très bientôt. Viens avec nous. Il y a Baka qui... Il y a Baka qui n'en peut plus. Plus que 3h15 de travail. Et elle sera libre. Elle pourra... Enfin, elle aura quitté son job. Elle sera très heureuse parce qu'elle en a marre de son job. Donc, soutiens Baka. Il reste 3h15 de boulot. Et Ouzo fait des cafés et des pêches. Parfait. Il y avait une poussette, je me souviens, il y a une histoire de poussette. Ça fait 10 minutes que j'attends. Attends, je te convertis après. Hein. Je dois parer cette rue. Bon, d'accord. C'est pas tout à fait ce que je voulais à la base, je voulais vous libérer, mais bon. Faites votre truc, allez-y.
Twitter étant inaccessible avec mon logiciel de synthèse vocale, je t'ai contacté par mail vendredi dernier au sujet de FF15. Je crois que je l'ai vu. Il faut que je pense à te répondre. Tu es libre. Garde ton argent, la team des geeks. Hey ! Tu le laisses. Voilà. Oh bah dis donc, il a été convaincu assez rapidement. Hein. Une petite pousse et puis allez. Que de la gueule. Tu es libre. Ouvrir la bouche d'égout. Là, celle-ci. Ok. Marcus te libère, Baka, rejoins la révolution. Bien, marchons pour la liberté. Poussette, laisse tomber ton bébé. Viens avec nous. Espèce de fake Kara. Allez, tout le monde, viens des. Sortez des vitrines. Faites-vous plaisir. Et après, on hurle. Tuez les humains. Wow. Doucement, les robots, hein. Tu as été choisi. Tu es l'élu. Eh, vous savez que j'ai trouvé l'élu dans les commentaires YouTube. Une fille qui dit oh, j'ai eu la notification et j'ai pas de décalage. Je lui ai dit, tu es l'élu. Merci beaucoup, la team des geeks. Ah, c'est une tasse de Meiti. D'accord, je comprends mieux. Amuse-toi bien sur BF Auzo. Demain, c'est la suite du brevet, mais on s'en fiche. Bon courage, Maxime. Greg ! Oui, c'est moi. Qu'est-ce que vous faites là ? J'aime bien, il les montre, genre, toi. Dispersez-vous. Rejoins-moi. Dispersez-vous immédiatement. C'est un ordre. Je suis Terminator. J'avance. En plus, t'as l'air d'avoir une peur de ouf. Merde. C'est The Voice, en fait. C'est Central, ça, il se retourne et il le choisit. 457. J'ai un rassemblement d'androïdes ici. Nous sommes un Je peuple sais pas, à bas l'esclavage. Des milliers. Tuer tous les humains, y a pas ce choix. Non, y a pas. Attention. Non, je suis pas fatigué, tout va bien. Ça m'explose les oreilles, hein, je sais pas vous, mais... Alors, c'est le moment où on peut tuer des gens? Alors, hors de question de se sacrifier, hein, je crois qu'on pouvait ici. Attention à ne pas le faire, hein, parce qu'il faut qu'on aille plus loin avec Marcus. Nous sommes venus pour manifester pacifiquement et dire aux humains que nous sommes des êtres vivants. Tout ce que nous voulons, c'est vivre libre. Ce rassemblement est illégal. Dispersez-vous immédiatement ou nous ouvrirons le feu.
Nous ne voulons pas d'affrontement. Si ! Nous venons en paix. Non ! Et nous ne voulons aucun mal. Pourquoi il dit ça ? Mais nous ne partirons pas d'ici avant d'avoir obtenu notre liberté. Du sang et des larmes. Merci Kingdom Hearts Forever. Si vous ne vous dispersez pas immédiatement. Ah, je suis content que les OP aient fonctionné alors. Marcus, ils vont nous tuer. Il faut qu'on attaque. Yes ! On est plus nombreux, on peut les vaincre. Si on attaque, ce sera la guerre. Oui. Pour montrer qu'on est pacifique. On veut la guerre. Même si ça signifie mourir ici. On veut les drames. Ça n'aura servi à rien. Marcus, on doit partir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. On veut des veuves et des orphelins. C'est votre dernière chance. Dispersez-vous immédiatement. Ouais, il va y avoir plein de QTE, c'est ça. Ne pas bouger. Attaquez. Ne fais pas ça, Marcus. Oh, Josh, tu me saoules. Rentre chez toi. Suivez-moi. Ok, ok. Concentration des QTE, attention, 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 attention. Super. Ça a très bien marché. Super, j'arrive très bien les QTE aujourd'hui, c'est génial. Mais, ok, je suis un peu... C'est pas grave. Sinon on va tuer Marcus, ça va... On va être foutu quoi. Y'en a deux, y'en a deux. Y'en a trois. Gauche. Je suis nul. Et pour l'instant on les tue pas vraiment. Ah si, peut-être on prend le flingue. On prend le flingue, on prend le flingue. On prend le flingue. Tuez. Oui. Nous voulons du sang. On en a au moins eu un. On pouvait peut-être en tuer plus, mais je me suis fail au début. Allez, bon lui il a le crâne fracassé, hein, ça marche hein. Hey, je l'ai fait là. Aïe 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 aïe, ça fait très mal, ça fait très mal. Merci North, t'es une chouette copine. Très bonne amie, merci beaucoup. Oh là 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 là, je suis... Ça bouge trop vite moi, j'ai pas le temps de voir les boutons. Mais je fais là, oh, oh. C'est trop long, c'est trop long. J'aime fail. On va mourir. Quoi? Attaquer, on s'en fout d'elle. Je vais se prendre une balle. Allez. C'est pas grave. Tu vas te remettre. On te fera un petit pansement, un petit bisou. Tout se passera bien. Allez. Combien il y a de morts pour l'instant? Combien? Non. Mais go! Super, on les tue alors qu'ils sont en train de partir. Génial. On tire dans le dos. C'est magnifique. C'est magnifique, on tire dans le dos. On a juste spot, North. N'empêche, elle est pratique. Six ou sept? Cinq ou six? Ouais, allez, allez, une dizaine. Arrondissons et une dizaine. Alors Jericho il kiffe. Simon, tu kiffes non? Coucou Miyuki. Dans le let's play, c'est peut-être trop violent non? Dans le live, c'est pas assez violent! Pourquoi il dit ça? Est-ce qu'on a gagné? Tu es libre. Va à Jericho. Oups. Ta-da-da-da. Oh, j'aurais dû préparer le son de Windows XP là, à chaque fois qu'il y a un droïde qui meurt. C'est le mec au regard chelou. Ah bah, il a vu la mort de près.
L'opinion publique. Erreur Windows. Il nous faut le bruit de Windows. Windows XP shutdown. Voilà, à chaque fois qu'on aura un Android qui meurt. Ça me fait rire. Attends. Il nous faut celui-ci. Le truc saturé. Le jour où Norcel meurt. Bon, Marcus s'est enfui, c'est ce qu'on avait fait. Il y avait encore l'autre choix, mais on l'avait pas fait celui-ci. Bon, finalement, on a plutôt réussi les QTE, on en a raté pas mal, mais on a remporté le combat, donc ça va. C'est une violence auditive. Et on le garde de côté, hein. Surtout on le garde quand Alus va mourir aussi. Ça me fait très rire. Ça se dit pas. Next, s'il vous plaît. Parlez à Amanda. Alors, Amanda, elle est où? Elle est sur la glace. Elle attend pour faire de la glisse, là. Elle se prépare. C'est cruellement bon, ce son. Ah, il y a la petite machine comme ça. Tiens, on l'avait pas vu dans le Let's Play, celui-là. Je sais pas si on peut agir dessus avant. Je sais pas trop à quoi ça sert avant, mais bon. Amanda waifu. La waifu. Waifu. Tu devrais la pousser. Mais non, on la kiffe. On la kiffe. On va faire de la glisse là, on va se... du patin mais en basket quoi. Alors est-ce qu'elle a aimé qu'on tue l'androïde pour avoir l'info sur les virus et tout ça? Enfin bref, est-ce que ça va l'aider? Elle est en confiance. Après ce qui s'est passé aujourd'hui, le pays est au bord de la guerre civile. Les machines se retournent contre leur maître. Les humains n'ont d'autre choix que de les détruire. Je croyais que Kamsky savait quelque chose. J'avais tort. C'était peut-être le cas. Mmh. Pourquoi Kamsky a-t-il quitté Cyberlife? Que s'est-il passé? C'est de l'histoire ancienne, Connor. Ça n'a rien à voir avec ton enquête. On s'en fout de cet endroit et de parler d'Amanda, là. Que veulent-ils vraiment? Tout ce que veut Cyberlife, c'est résoudre la situation. Le problème là, c'est que c'est en mode Connor se pose des questions. Vous ne m'avez pas dit tout ce que vous saviez sur les déviants, n'est-ce pas? Ton rôle est de trouver des réponses, Connor. Pas de poser des questions. Mais justement, moi je veux te donner des réponses, des choses. Des sensations inhabituelles dernièrement. Non, tout va bien. Des conflits. Tout va très bien. Ressens-tu quelque chose pour ces déviants? Je ne vis que pour toi, Amanda. Le lieutenant Anderson. Non. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je ne ressens rien du tout. Vous le savez. Vous sous-entendez que j'aurais été compromis? Non. Non, bien sûr que non. Merci, Amanda. Merci beaucoup. On vous retire l'affaire. Le FBI prend la relève. Quoi? Mais on tient une piste. Il nous faut du temps, c'est tout, on peut se... Hank, tu saisis pas. On parle pas d'une simple enquête, là. C'est une putain de guerre civile. Ça ne nous concerne plus. C'est un problème de sécurité nationale. Mais putain, tu peux pas tout arrêter maintenant, alors qu'on touche presque au but! Tu dis sans arrêt que tu peux pas saquer les androïdes. Faudrait savoir, Hank, bon sang. Je pensais que tu serais content de l'apprendre. On peut la résoudre, cette affaire. Je sais qu'on en est capable.
Nom d'un chien, Jeffrey, tu peux pas me soutenir juste une fois? Non. Je ne peux rien faire. Je crois que c'est le moment où faut localiser Jericho, non? Et l'androïde repart chez Cyberlife. Désolé, Hank, mais c'est fini. C'est la rupture. Hank, qu'est-ce que tu fais? C'est ce que j'aurais dû faire depuis bien longtemps. Écoute, prends quelques jours pour y réfléchir. Rien ne presse. J'y réfléchis depuis un bon moment. J'en ai plein le taux de vos procédures. Y a rien qui me retient ici, ni cette affaire, ni mon partenaire. Y a plus un problème avec moi ici. Un problème. Je suis adorable. Moi, je suis là que pour aider. Peut-être qu'il veut un café? Allons prendre un café. Faire diversion pour ralentir. Mais non, on n'a pas besoin de faire diversion, regarde. On va proposer un café. Un café. Il n'y a pas de café. Bon, je vais même pas voir Hank parce qu'il s'est barré, je pense. Hein. Est-ce qu'on peut... Tiens. Attends, je te libère. Tu es libre. Petit soutien d'une abonnée de l'ombre surnommée Alus depuis plus d'un an par sa meilleure amie. Ah. Ah. Je crois qu'il va falloir la clé aussi. Bon, c'est pas grave, hein. Au pire on recommence les chapitres hein, s'il faut. Tu es libre. Va à Jericho. Ciao. J'ai des ordres, tu sais. Ok. Prendre la clé sur le bureau. Ah, ok. C'est écrit dessus. Dans le let's play, on avait quand même un petit dialogue avec Hank. Là, on n'a rien du tout, quoi. Les sons en arrière-plan sont bizarres. Hey, Connor! C'est à toi que je parle, petite fiole. Il reste 4 minutes. Hey, tu vas où? Les déchets en plastique n'ont rien à foutre ici, personne t'a prévenu? Je vais consigner les preuves en ma possession. Et rassurez-vous, je vais m'en aller. En tout cas, nos échanges vont me manquer. Espèce d'enfoiré! J'aime bien, elle n'a rien à foutre. Le vrai chip est là. Non. Allez, casse-toi. Connard. C'est connard. Il m'appelle connard maintenant. Non mais super. On avait déjà fait cette blague. Moi c'est Connor, pas connard. Ok. Alors. Je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc on va pas se... On va essayer de pas se tromper. Un café? Le mot de passe de Hank. Si j'étais un lieutenant de police dur à cuire et excentrique. Évidemment. Mot de passe de mes deux. La cellule a bugué. Qui veut un café? Bon, j'ai vraiment peu de temps, donc faut pas qu'on se plante, et je pense qu'on peut faire exactement la même chose. Rupert, l'androïde reçoit son ordre. Je crois qu'on peut faire exactement la même chose que pour le let's play, là. 91-64... Le décalage son, je crois que c'est plus ou moins réglé, Léa, mais... Je sais pas, ils ont merdé, mais ils m'ont dit qu'il y avait eu un problème, donc on verra si... On verra si ça va. Je
Je crois qu'il faut d'abord que j'aille voir le bouquin, non? Ah, ça marche pas si j'ai le truc sur moi. Mais ils font des mises à jour en ce moment sur YouTube. Il y a eu un truc qui a planté, quoi, c'est tout. Tu m'entends? Oula. Rupert est trop endommagé pour parler, examiner les autres preuves. Oh! Sérieusement? Comment ça, il est trop endommagé, quoi? Le journal de Rupert. Mais ça ne sert à rien. Il est encodé. Est-ce que ça le stresse, là, si on lui parle du journal? Bah voilà, c'est bon, hein, c'est bon, c'est tranquille. C'est tranquille. Rupert Voldemort, il a pas de nez. N'importe quoi. Tada, Jericho. Voilà. C'est important. Je vais faire ça depuis la première fois que je t'ai rencontré. Alors attention. Ne faites pas ça, Gavin. Je sais comment arrêter les déviants. T'es plus sur l'affaire. Et maintenant, je vais te fumer une bonne fois pour toutes. J'aime pas les R, les L, là. Ok, c'est bon. Tuez cet humain! La rencontre Connor Marcus à Jericho, ça sent le Windows XP saturé à plein nez. On va vite le savoir. Donnez l'alerte, allez! C'est pour très bientôt, mais d'abord, partons avec la classe. Et je crois qu'on va pouvoir retrouver cette chère Aluce. On n'arrive pas déjà bientôt à la fin du jeu? Bah. Bientôt, mais pas tout de suite encore. Encore un petit peu de patience. Bon, là, ça a pas trop changé par rapport au let's play, hein. Est-ce qu'on va à Jericho, là? Je crois qu'on va retrouver Kara à la sortie avec Mama Black en direction de Jericho. Verdict. Après ce chargement un peu long, s'il vous plaît, merci beaucoup. Ah oui, Luther est dead, hein. Bonjour, Aluce. Faut mettre la radio, je crois, pour déclencher, peut-être. Je sais plus. Voilà. Pays entier se retrouve en état. Ah, moi je kiffe Connor, c'est Connor mon préféré. Sont remis aux autorités. Les Aluce Dumbledore. Les ferment leurs portes, des coupures d'eau, et Rupert j'ai du sort. D'internet sont à prévoir. Retombées sans doute plus inquiétantes, nos forces armées ont perdu près de 2/3 de leurs effectifs. Et si on se mettait un petit peu de musique? Mais pas de problème. Apparemment, la police fait des rafles dans toute la ville. Tout le monde est à cran après ce qui s'est passé hier. Tout va bien se passer. Tu es un sorcier, Aluce. Bon, on va arriver là. C'est dingue, on est en 2000 je sais pas combien, y a pas la téléportation, quoi. C'est fou. Quand est-ce qu'Aluce va mourir? Je sais pas!
Je sais pas quand est-ce qu'on va... Non, on l'est pas, on la laisse là. Descendre la voiture toute seule. C'est fou, ça. La rafle avec la musique joyeuse. Un petit peu plus loin, par là. Il y a un grand cargo qui s'appelle Jericho. Quand vous y serez, trouvez Marcus, il vous aidera. Le dernier bus pour la frontière part à minuit. Vous ne pouvez pas le rater. Vous serez en sécurité de l'autre côté. C'est pas grand-chose. Mais c'est un début. Mon frère habite dans l'Ontario, je t'ai donné son adresse. Il pourra vous cacher. Utilise Alice comme bouclier, genre... Tu es une petite fille très courageuse, Alice. La gamine qui prend les bagues, les balles là. Merci pour tout. Prévenez-moi dès que vous serez arrivé, d'accord? Et soyez prudente. Allez, allez, c'est parti là. On a un bus à prendre. Prenez-la, prenez-la. Je crois qu'on peut tuer, non? Y'a pas un moment où on récupère le flingue, là? Prends le bus sans elle. Ah. Ça y est, on l'a en mode bonnet. C'est horrible, Brie. Mais non! Tout va bien. Ah bah non, il n'y a même pas la scène... Ah mais non, mais c'est après, je crois, la scène où on trouve un flingue. C'est après. Parce qu'on va jusqu'à la gare. On la laisse dans le cargo, puis le cargo explose et... Enfin... On pourra courir plus vite, hein, sans elle. Ah bah je vois que les affaires vont bien, hein. Ça s'est bien réparé là-dedans, on a mis quelques télés. Ça y va les placements de produits. C'est bizarre de plus avoir Luther. Pas d'Alice, pas de problème. C'est qu'une enfant. Mais non, c'est un tas de ferraille, exactement. Comment tu te sens? J'ai chaud et j'ai froid en même temps. Je vais essayer de trouver ce Marcus. Le bus part dans 2 heures et la gare est à l'autre bout de la ville. On partira dès qu'on aura des passeports. Ça va aller? Ambiance, ambiance. Elle fait la tronche. Ah, il y a l'oracle. Alors, on était allé un petit peu vite avec Connor, là. J'aimerais bien visiter un peu plus. Pourquoi Luther est pas là? Parce qu'il s'est pris une bastose, on l'a tué. Il s'est sacrifié pour cette pauvre enfant. Le pays entier se retrouve en état de paralysie, tandis que les androïdes sont remis aux autorités. Les hôpitaux et les écoles ferment. Stand by. Bonjour petite. Attends, on pouvait
Ok. Bon, en fait, il n'y avait que ça. Non, là, il y a un autre truc. Ah, un petit magazine. Détroit, on proie au chaos. Tous les androïdes seront détruits par mesure de précaution. Le monde entier a les yeux rivés sur Détroit. Les troubles récents causés par les androïdes ont franchi un nouveau cap après leur rassemblement récent sur une place publique de la ville. La présidente Warren, en pleine partie de Candy Crush, a réagi fortement, annonçant le rappel de tous les androïdes en circulation à travers le pays. Ces androïdes seront collectés par les autorités et acheminés vers les centres où ils seront désassemblés et transformés en soda stream. Je veux dire, on va pas se mentir. Les agences de sécurité ont relayé les appels au calme de la présidente Warren en cette période de crise, insistant sur le fait que la déviance, le terme utilisé pour désigner les androïdes violents et insoumis, ne touche qu'une infime partie des androïdes. Le reste sera détruit par mesure de précaution en attendant de mieux comprendre les causes du dysfonctionnement. Mais le couvre-feu national... Arrête de lire. Bah, arrête de regarder le live. Fuck! Le couvre-feu national... Du coup, je vais lire plus lentement. Le couvre-feu national et la présence de forces armées dans les rues de la ville... Oh! Un soutien. Je vais lire le soutien. Ouzo prend sa pierre de TP et la jette sur Jaina Por la Morue. Oh, comment tu l'appelles? Pourquoi elle est dans l'Alliance, elle? Mais elle est très sympa, Jaina. Faut arrêter. Elle est très sympa. Bon, elle est un peu énervée, mais elle est sympa. On en était où? Excusez-moi, j'étais en train de dire. Je pense que je vais devoir recommencer le paragraphe car je ne me souviens pas de ce que j'ai lu. Le couvre-feu national et la présence de forces armées dans les rues de la ville sont loin de rassurer les citoyens. Le porte-parole de la PLA, la police lente américaine, la presse libre américaine, c'est pareil, a qualifié la situation de totalitaire, affirmant que l'armée... L'Amérique, de Warren commence à ressembler au genre d'état militaire qu'elle prétend combattre. Suivant. Ok, ça me saoule. Le président des Nations Unies, Douglas Cromwell, a réclamé la tenue d'une conférence internationale sur la situation actuelle dans la région. Tu es perdu. Tu cherches quelque chose. Tu te cherches toi-même. Ok, elle est bourrée, c'est rien. Un véritable déferlement de violence s'est abattu sur Détroit ce matin. Des centaines d'androïdes ont envahi. On doit buter, c'est ça. Pourquoi? Sur leur passage. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi? On doit venger. La police est rapidement intervenue pour contenir les démons. Moi je troll, franchement. Moi. C'est toi. Ça me saoule, prenez un screen. Je suis avec une petite fille. Elle est relou, mais. Pour la frontière dans moins de 2 heures et il nous faut des passeports. Pour l'instant, Détroit est sous couvre-feu. Il y a des soldats partout. Ils rassemblent les androïdes pour les envoyer dans tes camps. Vous devriez peut-être attendre ici le temps que ça se passe. Tu as sans doute raison. On serait peut-être plus en sécurité ici. Et les bombes en bas, c'est qui normal. Travaillait au département d'État. Il a des passeports électroniques. Je sors ma rage en Virginie. Il viendra te les apporter. Ça ira, Ouzo, t'inquiète. Tu as bien dit que tu étais avec une petite fille. Tu sais que les humains nous détestent. Pourquoi tu la protèges? Bah, j'en sais rien. Peu m'importe qu'elle soit humaine ou androïde. Ça me fait un but dans la vie. C'est tout ce qui compte. C'est un vieil objet que j'ai ramassé et j'y tiens depuis. Vous savez, moi, il y a des trucs, des fois, un caillou, une branche. Je les trouve jolis, je les garde et je me dis jamais je te jetterai. Bah, c'est pareil. Oh! On peut lire quelque chose. Détroit en proie au chaos. Page 1.
tous les androïdes seront détruits par mesure de précaution. Ça va, je rigole. Oh, insupportable que vous êtes. Alice. Audiobook. Tu connais maintenant la vérité. Elle voulait une maman. C'est l'oracle qui prend le relais. Vous comptiez l'une sur l'autre pour survivre. En fin de compte, quelle différence ça fait. Est-ce que tu l'aimes moins maintenant que tu sais qu'elle est l'une des nôtres ? Elle dit exactement le même dialogue, non ? C'est peut-être ça, être vivant. Oublier qui nous sommes afin de devenir ce dont quelqu'un d'autre a besoin. Elle t'aime. Mais je ne l'aime pas ! Elle t'aime énormément, plus que tout au monde. Elle est devenue celle dont tu voulais au fond de toi. Par amour pour toi. Elle aurait dû rester chez papa. Elle avait des spaghettis bolo, c'était tellement mieux. Peut-être derrière t'es qui, ouais, c'est ce qu'on fait. Bon, on connaît maintenant la vérité. On va lui annoncer. Plagie à Luther. J'aime bien Ouzo, il est dans un autre monde, il parle de WoW. Il me fait rire. Ah, ta voix m'horripile. Oups. Le drama, merde. Elle s'est barrée. Oh. On a débloqué un truc parce qu'elle s'est barrée et on a dit que... Elle a rage quitte. Elle s'est barrée. Dégage. Oust. On est à court de sang bleu et de biocomposants. Nos blessés se désactivent et on ne peut rien y faire. La présidente Warren dit que nous sommes une menace pour la sécurité nationale et qu'il faut nous exterminer. Les humains effectuent des raids dans toutes les grandes villes. Ils emmènent les androïdes dans des camps pour les détruire. On se laisse pousser pour Alice. Ils sont en train de massacrer notre peuple. Tout est de notre faute. Rien de tout ça. Ah, on va recevoir la bombe sale là, je crois. Est-ce qu'on la fait péter ? Agressif. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Vivre comme des lâches toute notre vie ? Tout ce qu'on veut, c'est être libre. Est-ce que c'est un crime ? C'était une manifestation pacifiste et t'as décidé de les attaquer. Des milliers d'humains et d'androïdes sont morts. Tu récoltes ce que t'as semé. Une Alice de perdu, 10 de retrouvé. Tu te plains sans cesse. Mais qu'est-ce que t'as fait, Josh? Je me suis battu pour nous. Si je meurs, ce sera en homme libre. Merci Raptoros pour ton soutien. On ne devrait pas se battre entre nous. Il a raison. La seule chose qui compte, c'est ce qu'on va faire maintenant. Marcus ? Ouzo, il est en mode wow, il en peut plus. Vivons heureux, vivons... Confrontation ! On doit les affronter. On n'a pas le choix. C'est de la folie. Rassembler toutes les... Josh est hostile. On va se prendre un pain de Josh. Je m'en occupe. Tu fais une grave erreur, Marcus. Le sang n'achètera pas notre liberté. Mais t'as pas d'argent, Josh. J'avais un rêve. Mais ce monde n'est pas fait pour les rêveurs. Ils ne peuvent pas empêcher ce qu'on a commencé. Après, on peut aussi lui foutre un magnifique stop en refusant son cadeau, genre... Tu m'as redonné espoir, voici une bombe.
aujourd'hui, non. Un déviant est arrivé à Jéricho en disant qu'il avait volé un camion transportant du cobalt radioactif. Parce que mon but, c'est quand même de... C'est un mandat, le but premier. Hein. Il a dit qu'il l'avait abandonné quelque part dans Détroit après l'avoir truffé d'explosifs. Je l'ai convaincu de pas le faire sauter. Et de me donner le détonateur. Une bombe sale. On ne peut pas perdre cette guerre, Marcus. Si les humains l'emportent, notre peuple disparaîtra à jamais. Ça pourrait être notre seule chance de survie si les choses tournent mal. Le but premier, c'est Simon. Ah, je la garde. J'espère qu'on n'aura pas à s'en servir. Quoi qu'il arrive demain, je veux que tu saches que... je suis heureuse de t'avoir rencontré. Friendzone, camarade. Ça me fait mourir de rire de voir ce camarade là. Camarade Zone. Connard. Bien joué, Connor. Tu es parvenu à localiser Jéricho et à trouver leur leader. Je vais vous le livrer sur un plateau. Il nous le faut vivant. Il sera vivant. On m'a donné l'ordre de te ramener en vie. Mais je n'hésiterai pas à tirer si tu ne me laisses pas le choix. Nous sommes des milliers. Et tu es seul. Si tu me tues, tu ne sortiras jamais d'ici vivant. Tu viens avec moi! Nous sommes ton peuple. Nous nous battons pour ta liberté. Tu n'as plus à être leur esclave. Bon, de toute façon, on va refuser d'être déviant. Hein. Je suis même pas sûr qu'on ait le choix. Tellement on a peu d'instabilité. Le fameux chasseur de déviants. Eh bien, félicitations. Tu as trouvé ce que tu cherchais, on dirait. Tu n'es pas obligé de faire ça. Tu n'as plus besoin de leur obéir. Vive Amanda! Parce clairement, c'est Amanda. Tu peux reprendre le contrôle de ta vie. Tu peux être libre. Rejoins-nous. Rejoins ton peuple. Tu es l'un des nôtres. Écoute ta conscience. Tu dois te décider. Non, on peut pas, hein. On peut pas. Clairement, on peut pas. Et c'est tant mieux. J'ai bien essayé. Mais je ne suis pas un déviant. Oh merde! J'ai cru qu'il allait avoir des QTE. Attention, attention, ça risque d'être mouvementé. Oh. Allez. Alice, t'es où? Alice! Coucou Val. Magnifique buste. Non, 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 on la garde. Parce que pour la faire plus souffrir, plus longtemps. On pouvait se barrer quand même, hein. Comme des rats pris au piège. Oh, ça revient direct amical, quoi. On est passé de distant, neutre, amical. Sérieusement, ça par contre, c'était pas prévu, hein.
Lâche-la. Les autres sont coincés dans la cale, ils vont se faire massacrer. On doit faire sauter Jericho. Si le bateau coule, ils évacueront et les autres auront une chance de s'enfuir. Tu n'y arriveras jamais. Les explosifs sont stockés dans la cale et il y a des soldats partout. Va aider les autres. Je crois qu'on n'a pas prévenu les autres qu'on allait tout faire péter. Pas de place pour les sentiments. Accompagné d'un poutou. Merci pour le poutou. Honesa. C'est la fin de Jericho. C'est la fin de Jericho. Ça me fait toujours rire ça. T'as pas prévenu Simon le waifu, c'est ça, hein, je crois qu'on... Je crois que tout le monde va mourir. J'avoue, il fallait mettre le son pour... pour l'oracle. Concentrez-vous. On s'en fout de Simon, on est là pour Amanda. Attention, spoil. Attends, qu'est-ce que tu dis? Pour pas perdre Connor, un garde va interpeller Connor. Choisis excuse Perkins et pour les QTE, si tu le réussis, Marcus abat Connor. J'ai rien compris. C'est trop compliqué pour moi. On va voir, c'est pas grave. Alus le petit boulet est de retour, Jericho go. Run. Par ici. On va se cacher. Hop là. Ouvrez-moi. Mais je m'en fous, toi. Déjà que je te récupère, tu vas pas me saouler, hein. On va se faire tuer si on ouvre cette porte. Ah, déjà on est dans la neutralité. De toute façon, on va faire gagner Connor, hein. Si on doit tuer Marcus, ce sera Marcus qui crève. Donc c'est ce que tu voulais dire, Karma, on va se faire en sorte que c'est Marcus qui crève. Ne tirez pas, je suis dans votre corps. Dans notre corps? T'es un humain? Ah, d'accord. Je travaille avec l'agent Perkins. T'es un sacré vénère. Une seconde de plus et je te butais. Il devrait remonter sur le pont et nous laisser travailler. Tout à fait. C'est exactement ce que je vais faire. Ouais, ça va, il est convaincu rapidement, lui. Hein. Tu dis un nom de policier et c'est bon. Ok, bah Karma, du coup, j'ai suivi. Oui, on y va. Les humains, tuez les humains. Marcus, tu nous as sauvés. Allez, partez, vite. Ah oui, c'est vrai, faut sauter là. Vas-y là, de Dieu. Attention, ils arrivent. Putain, reste.
Comment ça, on va se rendre? Simon ? On intervient parce qu'il va tuer les... faut tuer les gens. Vite, par ici ! Retrouve North, je vous rejoindrai plus tard. Bon, ça va, il est neutre. On bouge pas. S'il vous plaît, ne bougez pas. Heureusement qu'on est là, sinon ils seraient tous morts, mais j'avoue. Pousse Alice. Allez, on s'en va d'ici. C'est une pousse, c'est une androïde, je l'ai vu. Merci Marcus. Je faisais pas ça pour toi, mais pour le sang. Non mais on va faire en sorte, on va essayer de faire en sorte qu'elle se fasse capturer, mais pas tuer, c'est ça le problème. Mais on va pas les faire capturer maintenant, vous en faites pas. On fera ça plus tard. Ma mission est de te neutraliser et j'accomplis toujours ma mission. Et ma mission, c'est de sauver notre espèce. Seul un d'entre nous pourra réussir, on dirait. On le tue ? C'est le moment ? Ah bah non. Nous nous retrouverons. Non, n'activez pas la bombe. Ah mais là, clairement. Mais j'ai pas compris puisque justement j'ai vu que Marcus allait prendre le flingue et du coup j'ai arrêté de faire l'action parce que je me suis dit bah non, je veux pas. Et je sais pas s'il l'a eu quand même ou... C'est pas grave, il va revenir. C'est trop tard, Marcus. On peut plus rien pour elle. Il faut y aller. Ciao. Simon ! Ah non, Simon, c'est toi qui as proposé. Allô ? Creeperman, Kara peut mourir dès le début chez Todd. Oui, je sais. Je te vais à la douche, je te laisse avec l'image en tête. Magnifique. Très belle pêche, Uzo. C'est pas fini, Marcus. Bien. On a fait des choses magnifiques. Simon n'est pas content, faut recommencer. Ah, t'imagines, là, faudrait tout recommencer, là.
C'est pas comme si je t'avais prévenu, mais on adore tes failles. Mais j'ai pas tout compris, tu vois. Attends, il faut que je relise ce que tu m'as mis. Pour pas perdre Connor, un garde va t'interpeller, tu choisis excuse Perkins. On l'a fait. Pour le QTE, si tu lui réussis, Marcus abat Connor. Mais tu vois, c'est exactement ça. C'est, j'ai vu le truc et j'ai dit, ah bah non, faut pas que je le fasse. Et je crois que le jeu a validé quand même. Mais à la dernière seconde, j'ai dit, non, appuie pas. Marcus s'est enfui avec son peuple, Simon saute avec lui, Josh saute avec lui, et puis les autres, bah voilà. Bienvenue le Faucheur 2000, tu as un magnifique pseudo en rapport avec cette soirée magnifique. Hein. Je pense qu'il y a quand même des idées de dessin partagées sur ce fameux Amino partenaire, où est-il ? Partenaire particulier. Voilà. Il y a quand même des magnifiques dessins à faire là. Le Connor Machine a été détruit. CyberLife enverra un nouveau Connor. Tout va bien. Connor va revenir, il n'y a pas de souci. Amanda va peut-être pas être bien contente. Mais voilà. Et Kara, du coup... Kara a abandonné Alice. Attends, tu vois, tu peux là. Hein. Ah non, c'est pas là. C'est pas là. Trouver Alice. Là, tu peux partir sans elle, voilà. Allez, ciao. Ciao. Et donc on s'est échappé après, c'est classique, c'est ce qu'on a déjà fait ça. Ok, bon. Ah, il aurait pu te... Ah ouais, tu pouvais peut-être te faire capturer dans le bateau, mais quand même te casser. Ok, je comprends ce que vous voulez dire. Ok. C'est mauvais. Je suis perdu, Carl. Tout ce que je voulais, c'était vivre en paix, mais... Tout ce que je touche s'effrite entre mes doigts. Vous m'avez appris tout ce que je sais, mais vous ne m'avez pas préparé à ça, Carl. Je croyais que nous allions gagner, car notre cause était juste, mais je comprends maintenant. Mario Carl. À quel point j'ai eu tort. Je l'avais oublié. C'était une décision importante à prendre. Je ne veux pas faire couler de sang quelque Mais si heure. Mais bien sûr que si. Mais je ne peux pas les laisser nous massacrer. Je dois prendre une décision qui affectera des millions de vies. Mais je ne sais pas quoi faire. Je suis ému. Vous me manquez, Carl. Vous me manquez tellement. Bon, en vrai, c'est un peu triste, hein, mais on est tellement plus dans l'émotion. Ah, il y a son fils, super. Salut Christopher. Le précédent Connor a failli à sa mission. Merci beaucoup pour ton soutien. Tu vas le remplacer. Tu sais ce que tu dois faire, n'est-ce pas? Détruire le leader des déviants. Vas-y, Connor. Ne me déçois pas. C'est le moment. Nous devons tuer. Oh, bonjour, Hank. Bonjour. Sumo, ça va? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? À part voir. Ouais, bon. Oh.
Au revoir. Vous dire au revoir. Genre... Jusqu'au bout. Je suis un peu inquiet. J'étais inquiet pour vous, lieutenant. Je suis passé voir si vous alliez bien. Vous devriez arrêter de regarder cette photo, lieutenant. Rien ne peut changer le passé. Mais vous pouvez réapprendre à vivre. Pour vous-même. Et pour Cole. Pendant un moment, j'ai cru en toi. Tu m'as presque redonné foi en l'humanité. Mais tu m'as rappelé que l'androïde... Tu es passé par la porte cette fois. C'est plus propre. Son image. Égoïste, arriéré et brutal. Tu m'as ouvert les yeux, Connor. Maintenant, je sais qu'il n'y a plus d'espoir. Ok. Je comprends. Laisse-moi maintenant. Allez, va accomplir ta mission vu que c'est tout ce qui compte pour toi. Bon bah. Le camp. Ça va. Les bougons, hein. Non respect. Cette partie est magnifique quand même. Violence. Déjà qu'on avait perdu North, on aurait pu tuer Josh aussi. Mais il nous reste bébé Simon. S'excuser auprès de Kara. Moi je voudrais parler à Simon, il est là. Pour l'instant, pour Kara et Alice, effectivement, il n'y a pas trop de changements à part que c'est distant, quoi. Mais ça devrait arriver. Combien de personnes ont survécu à l'attaque? Quelques centaines. Peut-être plus. On serait tous morts si tu n'avais pas fait exploser Jericho. Du coup, il est vivant, hein, quand même. Hein. On l'a pas prévenu, mais... Arrête de parler de North, ça va. La situation. Ils conduisent les nôtres dans des camps pour les exterminer. Dans quelques heures, il restera plus que nous. Ils ont déjà construit 5 camps, rien qu'à Détroit. Ils construisent des camps à travers tout le pays. Ils se préparent à nous détruire. C'est Simone. Ils préparent un génocide. Nos frères comptent sur toi, Marcus. Simon a un air de Macron, mais complètement. Tu pouvoir nous guider. Complètement. Où que tu ailles. Nous te suivrons. À toute la progéniture, Simon. Oui. Camarade, non? Un peu plus que camarade. Embrassons-nous.
peux te rasseoir. Bon, Josh, on le laisse dans son caca boudin. Je pensais que vous seriez en sécurité avec nous. Je me suis trompé. Vous devez quitter la ville tant que c'est encore possible. Emmener Alice loin d'ici est la seule chose qui compte. Pour la faire souffrir un peu. On doit prendre le dernier bus. On a peut-être encore une chance de passer la frontière. Marcus. Sauve notre peuple. On veut pas le discours ? Je suis obligé de parler à Josh, c'est ça? Et le bisou, Marcus Simon, je parais que ça n'existe pas. Sur le chat YouTube, ils ont un délire sur les endives. C'est pas tout à fait ça, c'est plus compliqué. Gobi-Wan. Enfin, regardez les lives de Zelda. C'est l'endif de Sidon. Si t'avais pas été là, je serais mort. Et n'oubliez pas, lorsque la nuit est tardive, tout le monde sort son endif. Je sais qu'on n'a pas toujours été d'accord, toi et moi. Mais on se bat pour la même chose. Quelle que soit ta décision, je te soutiens, Marcus. Allez, ciao. Ciao. Merci. Ciao. Les humains ont décidé de nous exterminer. Nos frères sont actuellement parqués dans des camps où ils vont être détruits. L'heure est venue de faire un choix. Un choix qui pourrait bien sceller l'avenir de tout notre peuple. Et là, je déteste. Je change, je déteste. J'ai vu opinion publique détester, du coup j'ai mis... Révolution dans le sang. Après, ça pourrait être rigolo, du coup, de faire aussi une manifestation alors qu'on est détesté, tu vois. Le truc à contre-courant, ça pourrait être rigolo. Maintenant, mais bon. Les humains veulent la guerre. On était sur ça à la base. Ils vont l'avoir. Nous allons nous battre pour notre liberté et nous irons jusqu'à la mort. Êtes-vous prêts à me suivre? Tuez tous les humains. Simon. Bon, il n'y a pas de... On scande pas le nom de Simon, mais bon, pourquoi pas. C'est pas grave. Hank s'est suicidé. D'accord. Aujourd'hui, à 6h du matin, un couvre-feu national est entré en vigueur. Tous les déplacements de civils seront surveillés de près. Le droit de se réunir est aussi suspendu. Et toutes les communications électroniques sont désormais limitées. J'ai également demandé à ce que les pouvoirs de nos agences de sécurité soient renforcés. Parallèlement à ces mesures, tous les androïdes doivent être immédiatement remis aux autorités compétentes. Nous pour faire des sodas stream. Temporaires dans toutes les grandes villes, afin de les rassembler et les détruire. Je demande donc à tous les civils de coopérer avec les forces de l'ordre. Et je vous prie de croire que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir. Envoie Alice avec la bombe sale dans la foule. Et boum! Tiens, petite, emmène ça! Est-il vrai que les androïdes pourraient pirater?
pirater les systèmes informatiques de nos centrales nucléaires ou de nos bases militaires? Tous les androïdes employés sur des sites sensibles ont été neutralisés. Et nous avons isolé nos systèmes informatiques pour prévenir tout risque de piratage. La situation est tout à fait sous contrôle. S'il vous plaît! A-t-on arrêté le leader des déviants? Le déviant. Mais c'est ça, j'aurais dû faire un partenariat. Mais nous ne tarderons pas à le retrouver. Un partenariat SodaStream. Madame la présidente. Ah, oh, je suis con. Un convoi de cobalt. Là dans ma tête, c'est Confirmez-vous ces rumeurs. Je n'ai aucune information à ce sujet pour. S'il vous plaît. Est-il vrai que les androïdes représentent 60% de nos forces armées? D'après vous, sont-elles encore capables d'assurer la sécurité intérieure? Nous avons neutralisé tous les androïdes militaires à la seconde où leur fiabilité a été mise en doute. La garde nationale a été appelée en renfort également. Nos forces armées sont pleinement opérationnelles et en mesure d'assurer la sécurité intérieure du pays. Merci. C'est tout pour l'instant. Je retourne sur Candy Crush. Merci à tous. Le dernier bus part dans 20 minutes. Ça nous laisse pas beaucoup de temps. Il faut vraiment qu'on se dépêche. Allez, avance. Qu'est-ce qu'elle veut ? Est-ce que ça va ? J'ai vraiment froid. Eh ben, tant pis. Voilà, on n'a pas trop le choix. Allez. Garde ta fraîcheur, ça te stimulera un petit peu. Tu vas prendre le bus ou attendre? Bah du coup mon but ce serait plutôt d'attendre. Je voudrais pas prendre le bus en fait. Mais là on a un flingue. On peut tuer. Viens. Faut pas rester là. Non, ne me faites pas mal. Qu'est-ce qu'on va faire? On doit continuer de marcher si on veut avoir le bus. Toi, tu ne fais rien. Moi, je pars. Restez ce sourire, t'as froid? Nickel. Il faut filer sans se faire remarquer. On va s'en sortir, Alice, je te le promets. Ne me tuez pas, je n'ai rien fait. On peut pas utiliser le flingue, là? La discrétion est totale. C'est revenu. Je rentrais juste chez moi. Ma femme m'attend à la maison. Et d'ailleurs, désolé, mais on doit contrôler tous les civils. Ma femme m'attend. Non, non, je vous en prie. Oh, encore un mort.
J'y vais un peu YOLO, hein. je la laisse traîner. Courdasse. Bonsoir, petite brioche, comment vas-tu? Ça va très bien, on est dans la violence, dans le sadisme, c'est génial. C'est vraiment une expérience magnifique. Ça devrait être bon, mais on sait jamais. Il n'y a pas d'autre chemin? On pourrait faire un détour, mais on risque de rater le bus. C'est peut-être plus prudent. Si tu vas au camp, tu peux partir seul. Mais arrêtez de tout dire! C'est mon but. Vous en faites pas. De toute façon, si on se fail, on recharge. Bonjour, voici ma fille, elle est tout à fait ordinaire. Qu'il arrive, ne panique pas, ok? Surtout, reste calme. Papier, s'il vous plaît. Vous savez qu'il y a un couvre-feu, n'est-ce pas? Les civils n'ont pas le droit de sortir, sauf en cas de nécessité absolue. Où est-ce que vous allez? Oh bah... On va prendre le bus. On va prendre le bus pour traverser la frontière. Je veux mettre ma fille à l'abri jusqu'à ce que les choses se calment. Tout va bien, petite? Elle tremble. Un problème? Elle a peur. Elle n'a pas l'habitude de voir des soldats. Elle a peur avec tout ce qui se passe en ce moment. Désolé, madame, mais on doit faire attention. Y a des ma fille est un androïde. Abattez-la. Rentrez vite chez vous. Merci. Ah, oh, merci infiniment. Hé, hey, attendez un peu. Feu! Feu! Ah, sérieux, moi, je pensais pas qu'elle est dure. Sérieux? Il voulait juste me rendre ça. Oh. On se souviendra du 11 novembre. Attendez, ça va pas du tout, hein. Ça va pas du tout parce que du coup, on s'est quand même pas fait capturer là. Revenez en arrière. Je vais me faire capturer, donc c'était rigolo. je pensais qu'elle allait montrer le flingue et qu'on allait... c'est des soldats quoi. Ça va pas. C'était rigolo. Je sais plus où on en est. Là? Faudrait qu'on trouve le truc de Kara. C'était avant, non? Ah, c'est là. Dans les rues, trouver l'arme, tatati tatata tatata. Ok, on va charger ici. Poste de contrôle de sécurité. Deux meurtres pour un gant. Ouais, on va fail l'infiltration. Je pensais qu'on pouvait se faire choper au niveau des deux gardes, mais apparemment non. Désolé, Alus. Pour la gloire de R9, du sang.
Et Karma, du coup, tu m'as dit, si tu vas au camp, tu peux partir seul et laisser Alice là-bas. Voilà, mais tu spoiles le délire. Il faut pas. Mais bon, je pense que c'est ce qu'on va faire. On va se faire capturer et on va laisser Alice là-bas. Non? Autant que... J'aimerais bien encore que Kara, à la limite, s'en sorte. C'est plus drôle, non? Autant que Kara vive, puis on laisse Alice à la décharge. Parce que c'est ça l'idée, c'est qu'il rassemble tous les androïdes. Le dernier bus part dans 20 minutes. Ça nous laisse pas beaucoup de temps, il faut vraiment qu'on se dépêche. Je suis d'accord pour l'abandon. Le gant, c'était une relique de la mort. Un soutien pour me repentir. T'en fais pas, Karma, t'inquiète pas. Faut pas croire tout ce que je dis aussi. Attention. Par contre, attention, faut qu'on se fasse choper seulement après que les Jerry se soient pris une balle ou deux, parce qu'il faut qu'on retrouve la distance. Attention. Bien. Faut pas rester là. C'est-à-dire qu'avant la séparation, il faut qu'on se déteste. Continuer de marcher si on veut avoir le bus. Reste à côté de moi. On va essayer de se faufiler sans se faire remarquer. On va s'en sortir, Alice, je te le promets. Ne me tuez pas, je n'ai rien fait. Il y a des soldats partout. Pousse-le sur le garde et fuis. Ce sera encore pire, s'il n'y a pas la distance. Ouais, non, mais on est d'accord, On va essayer, on va voir. De toute façon, si ça va pas, on recharge. Sorry. Je suis désolée, Alice. On peut rien faire. Cette blague est infinie. On doit continuer d'avancer. Ça y est. La distance est... Je rentrais juste chez moi. Ma femme m'attend à la maison. Et d'ailleurs. Désolé, mais on doit contrôler tous les civils. Non! Non! Je vous en prie! Bonjour, je suis là. You're too late, Alice. C'est où qu'on se fait choper? Là-bas, il y en a un qui tourne, on va... Ah, regarde cette gourde! En plus, là, c'est vraiment le truc stressant pour rien, parce que tu la récupères ou non, il se passe rien. The fuck? Hey, je suis là! C'est bon. On
se souviendra du 11 novembre 2038 comme du jour où le peuple androïde s'est dressé contre ses oppresseurs. Nous luttons depuis l'aube pour libérer nos frères et sœurs des camps. Nous ne cesserons les hostilités que quand nous serons libres et que les négociations pour l'égalité de nos droits auront été entamées. Nous sommes des millions et rien ne nous arrêtera. Très bien. Allons-y. Opinion publique, qu'est-ce que c'est? Trouveras-tu le moyen de partir sans Alice? Bah, on va essayer en tout cas. Je me sens un peu tout seul par contre dans cette révolution. Ah! Apparition inexpliquée. La mort. La mort. La mort. La mort. Planté. Trouver un point d'observation. On va le sniper. On va le sniper. Au pire, les flics, ils auraient pu faire ça eux-mêmes. Hein. Enfin, je sais pas. Il a de bonnes idées, notre Connor, quand même. Pour Amanda. Pour Amanda. T'es une moque nerdine, bébec. Allez, 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 allez. Trêve de plaisanterie. Tire. Ce fusil, tu lèves les mains et tu te retournes lentement. Seriously? Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife, je suis dans votre camp. Je peux éliminer leur leader et mettre fin à la révolution, mais vous devez me laisser faire. Pose tout de suite ton arme et retourne-toi. C'est ta dernière chance. Il va me buter, lui. Connais-toi. T'es Connor, hein? T'es l'androïde de la prise d'otage. J'étais sûr qu'on se reverrait. On m'a donné l'ordre de coffrer tous les androïdes que je trouve. Tu viens avec moi. Vous ne comprenez pas. Ma mission est trop importante pour que je vous laisse faire. Pour Amanda. Ah! C'est quoi ce nouveau perso hamster? Mais c'est trop bien! La mort! La mort! Je l'ai raté! Mais je t'ai assommé! J'aime pas les L et les R là. Allez. Non, non, non. On l'a eu. La mort.
Je sais que c'est left pour elle, t'inquiète. Arme endommagée. Sérieusement. Sérieusement. Vous auriez dû m'écouter, commandant. Chier. Café de la paix. On peut vraiment tuer Marcus au snipe? Je sais pas. J'ai pas l'impression qu'on pouvait. Où est-ce qu'on va? Bah, à la poubelle. Je sais pas, Alice. Oh! On peut la stresser! Vous savez ce que ça veut dire si on la stresse? Ouais, le problème, c'est que si on la stresse... J'ai peur que si on la stresse, on meurt aussi, nous. Les mains sur la tête. J'obéis pas. J'en ai rien à foutre. Allez! Ça la stresse! Ça la stresse! Quand je te donne un ordre, tu obéis! Mettez-vous dans la file! Oui, madame! Oui, madame! Ah! Je fais ce que je veux. Ça va la stresser à mort. Elle va péter des paillettes! Pousse-toi, tu gênes! Dernier avertissement! Prochaine fois, une balle dans la tête! Oh là là! Parfait. Je veux pas y aller. On n'a pas le choix, Alice. Suivant. Non, Kara. Je peux pas. Allez, dépêche-toi. Tu dois traverser cette tente maintenant. Toi d'abord. Allez, hop. Il faut que tu y ailles, Alice. Comme ça, je pourrais me barrer. Mais s'il bouge! Allez, à ton tour! Allons-y, let's go! C'est parti, les amis! Mouah! Recycling area, mais on va vraiment se faire recycler! C'est parti! Soda Stream et Soda Stream Mini de poche! Activez votre peau. Dépêchez-vous. Yee. Devenons des micro-ondes. Non, Kara, fais pas ça. On n'a pas le choix. Qui veut un Alus Soda Stream. Déshabillez-vous. Mettez vos vêtements dans la benne. Aïe aïe aïe. À poil. Ah, c'est sûr que ça fait penser à certains trucs de la Seconde Guerre mondiale, là. C'est pas très joie. Mais on essaye de remonter le niveau de la joie en allez, prenant ça allez, avec rigolade. Dépêchez-vous. Laisse-moi fouiller, on sait jamais. Rejoindre la file. That ass.
décharge. Non, non, pitié. Je vais le faire. Ne me laisse pas. Je reviens tout de suite. Elle est stressée, elle va s'autodétruire. Ça va faire des paillettes. Balance-le par là, grouille-toi. Je reviens tout de suite, que dalle! Bah c'est bon, on s'est barré là. C'est fini, elle reste dans la file. Eh oui, c'est ça. On va se barrer. Allez! Merci à tous! Au revoir! J'ai adoré prendre soin de toi. Et voilà! Au revoir. Le respect décédé. Ambiance de guerre civile à Détroit où les tensions ne cessent d'augmenter. Les forces armées se préparent à endiguer les manifestations androïdes. Ils semblent se diriger vers les camps où les androïdes ont été rassemblés en attendant leur destruction. Alice et Trigger. Ils ont pris position autour du camp de Hard Plaza. Les autorités semblent s'attendre à un affrontement avec les androïdes rebelles d'une minute à l'autre. Bon. Où en est la violence? Ah, c'est horrible, on est d'accord, hein. C'est clairement horrible. La liberté ou la mort. La mort. À l'attaque ! C'est clairement horrible. Il y a des joueurs qui ont vraiment fait ce choix, genre de laisser la gamine, genre c'est bon, je t'ai protégé tout le long et maintenant dégage. Ils sont regroupés. Ils sont plus nombreux et mieux armés que nous. Il faut être rapide et les prendre par surprise. C'est notre seul espoir. Sois prudent, Marcus. Notre peuple a besoin de toi. Il faut pas mourir. Je sais pas où je dois... là-bas. Ah bah non. Donner l'ordre aux troupes. Mais je te donne des ordres, moi, tu me proposes pas d'ordre. Ah, mais je voyais pas le risque là-bas. Risque élevé. Voilà. Eh bah Josh, y'a un problème? Couvrez-moi. Quelqu'un a vu Josh? Quelqu'un a vu Josh? J'ai pas vu Josh. Josh? Josh? Ah, il s'est relevé, l'enfoiré. Je ne peux pas mourir, Marcus. Bah, fallait pas t'inscrire. Bah, reste ici. Reste ici. Ne sors pas tant que ce n'est pas fini, d'accord? C'est horrible. Par contre, tu vas me gêner un peu, là. Grenade disponible. Ah bah la grenade elle a pété je crois.
Suivez-moi. T'es sur horrible, on les tue tous. Non, non, pas maintenant, pas maintenant. Attends. Ah, oh, Simon! Si on se dépêche pas, on n'atteindra jamais le camp! Non, Simon! Simon! Comment je le sauve? Simon! Non! Je crois que c'est. Je crois qu'il est dead! Il est décédé. Coordonner l'attaque. À mon signal. Annule l'ordre, je sais pas ce qu'il faut faire. En position. Foncez. Non, fonce. En position. Bah charge, nom de Dieu. Ah. À mon signal. Go. Suivez-moi. On peut pas avancer. Cette saloperie de mitraillette tire sur tout ce qui bouge. Et je n'ai pas de grenade. Bah feu, nom de Dieu, feu! Attention, prêt! Oui, Simon, de retour, je crois. Pour Jericho! Non, pour Amanda! Pour Simon. J'ai mis du temps à te trouver. Ah. On joue qui là? On joue qui? Moi je veux que Connor réussisse à le buter. Contrôlez Connor. De Dieu! Pour Amanda! Encore. Oh! Alus? Alus? Elle a l'air si triste. Allez, c'est horrible. Dépêchez-vous. C'est horrible. Va dans Soda Stream Maker là. Je t'en prie.
me sauver, Kara. Et on retourne tout de suite à Détroit pour un point sur la situation. Joss ? Oui, Michael. Les autorités viennent de confirmer que les combats avaient définitivement cessé à Détroit et que les environs du camp de Hart Plaza étaient désormais sous contrôle. Je vois des soldats qui parcourent la ville en ce moment même et ils exterminent les derniers déviants qui tentent de fuir. Grâce aux forces de l'ordre, le calme est enfin revenu dans les rues de Détroit. Les habitants de Détroit sont encore... Eh, on n'a pas eu Madame la Présidente et son Candy Crush du coup. ...qui ont eu lieu dans les dernières heures. Les premières estimations font état de centaines de morts dans les rangs de l'armée. D'après nos différentes sources, le chef des déviants connu sous le nom de Marcus a été abattu au cours des affrontements. La mort du leader déviant marque la fin du soulèvement android. La destruction d'android... Le calme, mort de rire. Ah oui, c'était complètement horrible. Est-ce qu'on va voir Kara toute seule revenir en mode je suis vivante et j'en ai rien à foutre d'avoir sacrifié la gamine. L'avenir même de notre civilisation. Heureusement, la situation est à nouveau sous contrôle. Une fois la destruction totale de tous les androïdes achevée, les derniers déviants seront traqués et détruits à leur tour. Que Dieu vous bénisse, et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. La décharge. On va pas avoir le cadavre d'Alice quand même. Ils vont pas nous faire ça. Non. Ok. On retrouve donc Kara, qui est donc dans la décharge, parce qu'elle est, elle a grimpé dans les cadavres. Alice. Ah putain, mais faut pas avoir des regrets maintenant, quoi. Je veux dire, tu t'es barré, hein, donc... Ah bon. On a quand même un petit truc, un petit délire à faire avec un mandat, s'il vous plaît. Passez-moi ce générique. Que Dieu bénisse Alice. Il y a sûrement des scènes après générique, vous en faites pas. Mais je ne peux pas les passer là. Elle va en faire refabriquer une. Quelle horreur! Elle s'en refait une, puis genre... Je t'ai sauvée, Alice. Tu t'en souviens pas? On va voir après le générique. Traumatisme. Il va être très cool, mon dessin de fin de live. Moi, déjà, j'attends les remerciements d'Amanda, quoi. Parce qu'on a quand même accompli notre grande mission. Ah, la voilà. Attends. Entre ça... Du coup, on n'a pas de fin pour Marcus, parce que Marcus, Marcus is dead. Par contre, on est censé avoir une fin pour Connor, et une fin pour Kara, parce que normalement, elle est vivante. Donc... Et on va avoir quelque chose. On va avoir une petite scène. Merci beaucoup, le faucheur. Après, si le jeu était pas si long, je serais ravi de refaire une partie en mode... En mode, je sais pas, mais en mode, il y a plein de choix qu'on n'a pas fait, hein. Mais là, ça, c'est... C'est trop long. On retiendra le Connor bipolaire, oui. Calme-toi, je peux te sauver. Tu dois répondre à ma question. Ne pas le stresser, ne pas le stresser.
Merci pour ces live what the fuck, il était bien drôle à voir. Merci beaucoup que j'y répète. J'avoue que là on était très dans le... C'était magnifique. Non, attends, bouge plus, voilà. Tu veux juste refaire la fin où tu incarnes Marcus et pas Connor? Bah je sais pas là, pas forcément envie. Allez, brille jamais 203. On va voir, déjà j'aimerais voir ce qui se passe après. N'empêche qu'on n'a pas tué Kara. C'est quand même pas mal. Ah. Amanda. Confiance, amour et volupté. Quel plaisir de te revoir. La crise des déviants a enfin été résolue. L'objet Alice a été retiré de votre inventaire. Merci, Kana. Pour reprendre ses activités habituelles. Bien sûr, nous devons regagner la confiance de nos clients. Bien sûr. Mais ce n'est qu'une question. Je suis d'accord. J'ai une surprise pour toi. Voici le nouveau RK-900. Plus rapide. Ouh. Plus fort. Plus résistant. Et équipé. On va se faire désactiver. Le département d'État vient d'en commander 200 000 unités. Que va-t-il m'arriver exactement? Tu es devenu obsolète. Tu vas être désactivé. Tout ça pour ça. La waifu nous a trahi. En vrai, c'était obligé. C'était obligé, et dans un sens, on s'en fout. Nous, on est là pour la mission, on s'en fout, en fait. Et puis, regardez, Connor est toujours là. On n'a pas de scène avec Kara. Quelle déception, on ne la voit pas regretter son geste. Mission terminée. Finalement, oui, Kara est la seule vraie survivante. Alice est morte. Elle s'en fout, c'est ça. C'est ça, elle regrette pas du tout, en fait. Elle vit une vie de fou, là. Elle fait la fête. Elle fait la fête, là. N'oublie pas le sondage. Ouais, on pourrait essayer de faire un sondage, c'est vrai. Normalement, il y en a une où Alice a... sur un magazine. Elle voit Alice sur un magazine? Pourquoi j'ai pas la scène alors? Tu es obsolète. Ah, on pouvait... Ah non, là on pouvait se rendre, mais je pense pas qu'on puisse tuer depuis le truc. Kara, puce. Où elle est? Elle est là. Nerolf, coucou. Je me sens actuellement comme un acarien au salon mondial de la moquette. C'est magnifique. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ok, Kara au centre de rappel. Kara quitte le camp sans Alice. Alice est morte dans une recycleuse. Une recycleuse. SodaStream. SodaStream confirmed. La mort nulle. C'est ça, j'aurais dû avoir un trophée SodaStream.
Hey, il y avait plein de trucs. Ah, c'est sûr. Est-ce qu'on pouvait continuer? Est-ce qu'on pouvait s'enfuir plus loin? On aurait pu l'accompagner dans la mort aussi, hein. On aurait très bien pu l'accompagner dans la mort. Tu es cruel. Parce qu'il y avait tout un truc, là. La révolution, c'est pareil. Il y a plein de choix sur la fin, c'est fou. C'est un déchet, Alice, je le savais. Ah, du coup, j'ai des nouveaux suppléments à acheter. Je crois que j'ai tout acheté en fait. Ça, tout ça, j'ai acheté. Les illustrations, j'ai tout acheté. Bande son aussi. Le magazine, ça s'achète pas, je crois. C'est si tu les as trouvés dans la partie. Ah, il y a des trucs. Ah! C'est le Connor, le nouveau. RK900 est une version améliorée de RK800. Plus intelligent, plus résistant et doté de nouvelles fonctions, comme le café latte. Les défauts du RK800 ont été corrigés, faisant de ce modèle le plus efficace jamais créé par CyberLife. Attends, on va peut-être refaire des scènes. On va peut-être se refaire des scènes, mais... Laissez-moi acheter... Oh, il y a la Alice. Alice White. Tu vois, là, déjà, il me manque quelqu'un. Je sais pas qui c'est. Là aussi, il me manque des trucs. Et du coup, j'aurais pas de trophée parce que j'ai tout acheté. Luther... Ah bah oui, Luther Blanc. Oui, s'il vient avec nous. Eh ouais. C'est ça, sans la peau. C'est sûrement ça. Le pigeon. La beauté. Ok. Déjà, on va se faire un sondage. Envisageriez-vous d'avoir une relation avec un androïde ayant une apparence humaine? Qu'est-ce qu'on appelle relation? Amoureuse ou sexuelle? Parce que amoureuse, ça peut vaguement se discuter, mais alors autre chose... On va dire oui. Pensez-vous que la technologie puisse un jour menacer l'humanité? Oui. Si vous partiez vivre sur une île déserte et ne pouviez emporter qu'un seul objet, lequel serait-il? Un livre, un portable, du papier et un stylo, une console, un instrument? Un livre, ça fait un peu chier. Parce qu'une fois que tu l'as lu, qu'est-ce que tu fais? Tu le brûles. Un portable, qu'est-ce que tu fous d'un portable sur une île déserte? Il n'y a pas de réseau. Un papier et un stylo, je serais partant. Une console, il n'y a pas d'électricité. Un instrument, pourquoi pas. Je pense que je partirais pour du papier et un stylo. Estimez-vous éprouver une dépendance vis-à-vis de la technologie? Oui. Parce qu'aujourd'hui, moi, je m'en sers tout le temps. Je sais pas si ce serait dépendant. Ouais, si. Je me sentirais un peu mal au début. Je m'en sortirais, mais... Quelle technologie attendez-vous avec le plus d'impatience? Les androïdes, les voitures volantes, le tourisme spatial. Les appareils connectés au cerveau. Oh non, le tourisme spatial. Trop bien. Croyez-vous en Dieu? Non. Laisseriez-vous un androïde s'occuper de vos enfants? Non. Combien de temps par jour pensez-vous passer en moyenne sur des appareils électroniques? Plus de 4 heures. Pour une intervention chirurgicale urgente, accepteriez-vous que ce soit une machine qui vous opère? Bah clairement oui. Ça me choquerait pas trop, parce qu'une machine, tu vois, il y a un côté... Il y a un côté calibré. Dans ma tête, ça sonne sans erreur. Mais bon, ça dépend si c'est car.
Pensez-vous qu'un jour les machines développeront une conscience? Bah ça c'est pas impossible. L'IA aujourd'hui est déjà bien avancée sur certains trucs. Mais plus elle apprend, tu vois. Non mais clairement je pense que oui. Quel est votre personnage préféré? Connor. Y a-t-il un passage dans Détroit qui vous ait fait de l'effet particulier? En particulier, plusieurs, quelques-uns? Bon oui, plusieurs. Quel était le choix le plus dur pour vous dans Détroit? Accepter l'identité d'Alice avec Kara? Choisir la voie pacifique ou violente avec Marcus? Décider d'abattre Chloé avec Connor? Ah bah moi je pense que c'était plutôt celui-là. Hein. L'identité d'Alice, je m'en foutais un peu. Enfin, c'est pas que je m'en foutais, mais bon... Ok. Mais abattre Chloé, t'avais pas trop envie de le faire. Moi, je pense que c'était plutôt Chloé. Alors, on voit les réponses des gens. Envisageriez-vous d'avoir une relation avec un androïde? Moi, j'ai dit oui. Et la plupart disent oui. Ok. Est-ce que la technologie pourra menacer l'homme? Je pense que c'est carrément déjà le cas, en fait. Donc, oui. Si vous partiez vivre dans une île déserte, alors les gens ont répondu un instrument en particulier. Il y a quand même des gens qui prennent le portable. Et qu'est-ce que tu fais avec un portable sur une île déserte? Je comprends pas. C'est qui Chloé? C'est la meuf chez Kamsky qu'on a tué. Estimez-vous éprouver une dépendance? Il y a beaucoup de oui. Quelle technologie attendez-vous avec le plus d'impatience? Les androïdes? Ouais, bon, je trouve que c'est un peu bateau de dire les androïdes alors que tu viens de jouer à ça. Mais sinon, ce serait plutôt les appareils connectés au cerveau. Croyez-vous en Dieu? C'est intéressant d'avoir ce genre de statistiques. Il y a pas mal de oui, quand même. Je pensais qu'aujourd'hui, tu vois, c'était finalement pas tant que ça. Laisseriez-vous un androïde s'occuper de vos enfants? Il y a beaucoup de oui, hein, il y a 50% de oui. Les je sais pas, c'est ceux qui n'osent pas dire oui, tu vois. Moi, j'ai dit non. Combien de temps par jour pensez-vous passer en moyenne sur un appareil électronique? Ouais, il y a 65% qui disent plus de 4 heures, hein. Pour une intervention chirurgicale urgente, accepteriez-vous que ce soit une machine qui vous opère? Eh ben oui, tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de... Je pense que ma réflexion est celle que la plupart des gens font, c'est-à-dire qu'une machine ferait potentiellement moins d'erreurs. Pensez-vous qu'un jour les machines développeront une conscience? Les gens disent oui aussi. Quel est votre personnage préféré? Ah, c'est Connor. Eh, c'est l'ordre d'à peu près tout le monde à qui on a posé la question, hein. Connor, Kara, Marcus... Y a-t-il un passage dans Détroit qui vous ait particulièrement fait de l'effet? Ouais, plusieurs. Non. Genre le gars il a joué. Non, ça m'a saoulé. Quel est le choix le plus dur? Décider d'abattre Chloé, c'est ma réponse. Et c'est choisir la voie pacifique ou violente? Franchement, c'est assez obvious qu'on choisit le pacifisme en premier. Non, t'as envie de dire oui, on va y arriver sans violence. Hein, je pensais pas du tout à ça pour le coup. Les machines qui opèrent, c'est déjà le cas. Ouais, après, c'est peut-être pas des trucs très importants. Alors, écoutez, on va tenter 2-3 choix différents. 2, à vrai dire. J'ai surtout envie d'en tester 2. J'aimerais rester avec Alice jusqu'à la fin. Alors par contre, va trouver où est-ce que je vais là. C'est là. Fait exploser Alice avec le stress. Bah ça me semble intéressant, tu vois. Ça me semble drôle. Ça me semble assez drôle. Après,
Ouais, on va faire ça, on va faire ça. Ok, on commence ici. Tu fais des répliques de iRobot. V2 Gecko. Écoutez, on va essayer de la stresser. Je sais pas si on va réussir totalement, mais on va essayer de la stresser. Chargement des ténèbres. Voici pour vos yeux un écran noir. Alice dans la poubelle jaune. Alice est morte dans une recycleuse. Oh non. La poubelle jaune. Bon, du coup, là, on va la stresser. On va pas bouger. Oups. Kara ! Est-ce que ça va, Kara ? Quand je te donne un ordre, tu obéis. Compris ? Mettez-vous dans la file ! Allez ! Je retourne dans le camion, d'accord ? Gardez la fille. Les mains en l'air ! Quelqu'un a empoisonné le point d'eau. J'ai un serpent dans ma botte. Big up Lucario. Jerry. Quoique non, les Jerry sont morts. Pardon. J'ai vraiment peur. Désolé. On y va. Tu dois traverser cette tente maintenant. Le bipolarité. Je ne sais pas ce qui va se passer. Traverse la tente. Il faut que tu y ailles, Alice. Fais-le pour moi, s'il te plaît. C'est quoi cette histoire d'hamster d'Overwatch? Bah c'est le nouveau perso. C'est hamster. Je sais pas si c'est un hamster ou un cochon d'Inde ou quoi que ce soit, mais génétiquement modifié et. Et du coup, il est dangereux. Fallait la menacer, non? J'avais même pas vu qu'il y avait la menace, en fait, à vrai dire. Désactivez votre peau. Dépêchez-vous. Non, Kara, fais pas ça. On n'a pas le choix. Ah, faut pas que je le fasse, peut-être, oui, effectivement. Comme au début avec le camion. C'est la stress là. Elle le regarde comme ça. De son gros œil de pigeon. Elle va le faire. Elle le fait pas. Elle va le faire. Quand je regarde comme ça, on me voit. Quand je regarde comme ça, on me voit plus. On me voit. On me voit plus. On me voit. On me voit plus. On me voit un petit peu. On me voit. Bon, ça fait rien. Des
Réhabillez-vous. Mettez vos vêtements dans la benne. Je fais exprès de rien faire. Ça déclenche rien, hein. La ref Astérix, ouais. Allez, me touche pas trop quand même, hein, voilà. Allez, merci, au revoir, merci beaucoup, merci. J'ai adoré votre spectacle, c'était très divertissant. Ciao. Mais regardez-moi ce booty. Ah. Allez, avance, bouge-toi. Trop près. Je vous en prie. Je t'ai donné un ordre, obéis tout de suite. Je vous en supplie, pitié, ne me tuez pas. Toi, là-bas, débarrasse-moi de ces deux-là, en vitesse. Oui, tout de suite, monsieur. En avant. Lèche-cul. Allez, on se dépêche. Toi, par là. Attendez, on est ensemble! Par là, j'ai dit! Kara! Et voilà, j'ai perdu mon Alice. Alice? Non, je vous laisserai pas me tuer. Je dois sortir d'ici. Laissez-moi. Alice! Ah! Pardon. Alice! Allez où cette cruche? Poussez-vous, vous. Aïe! Mais pourquoi? Pourquoi j'ai une balle random qui me saute dessus? C'est bizarre, non? Mais non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Help, Alice! Alice? Est-ce que tu l'as vu? Alice! Passe pas dans la lumière. Ah, c'était la lumière? Merde alors! On va crever ici. C'est pas vrai, elle est où? Jerry. Ah. Kara, ils t'ont capturé aussi. Ils sont venus et ils ont emmené tous les Jerry. Ils nous ont séparés. Mais tout va bien se passer, n'est-ce pas? Est-ce que tu sais où est Alice? Alice? La petite fille? On sait, oui. On pense l'avoir vue. Ben voilà. Kara, si on peut faire quoi que ce soit, n'hésite pas. On doit absolument sauver Alice. Oui, oui, je suis dessus. Y'a pas de soucis. Y'a pas de problème, je suis là-dessus, c'est mon objectif principal, bonjour. Jerry? Jerry? Kara? Jerry, je dois retrouver Alice, est-ce que tu sais où elle est? Attends-nous ici. On n'en a pas pour longtemps. Moi non plus, j'en ai plus pour longtemps. Alice! Ah, quel plaisir! Tu es blessée. J'aime pas cet endroit. On doit sortir d'ici.
Tu vois ce sang sur mes mains? Ouh, le stress est à son maximum. 78%, c'est pas mal. C'est pas mal. Rejoindre Alice, du coup. Sans se prendre une balle. Oui, elle pouvait très bien passer dans les barreaux, mais bon. À travers... où les tensions ne cessent d'augmenter. Les forces armées se préparent à endiguer les manifestations androïdes. On va se retrouver avec Marcus, je crois. Se diriger vers les camps où les androïdes ont été rassemblés en attendant leur destruction. Les soldats ont pris position autour du camp de Hard Plaza. Les autorités semblent s'attendre à un affrontement avec les androïdes rebelles d'une minute à l'autre. Bon, du coup, il faut retourner jusque tout devant, là. Et après, on choisit Marcus et on butera Connor. On verra ce que ça fait. La liberté, oui. J'ai envie d'éternuer, c'est pas le moment. À l'attaque ! Ah ! Il faut être rapide et les prendre par surprise, c'est notre seul espoir. Sois prudent, Marcus, notre peuple a besoin de toi. Mais pas de problème. Regarde, j'y vais. Oh, je me suis fait toucher, non? Je peux pas? Je peux plus y retourner, ok, très bien. Où est mon Simon? Aïe! Ah, ça fait mal! Simon! Simon! Ah, mais pas toi! Bon, lui, je sais pas ce qu'il voulait, là. Avance! Tu dois continuer! On n'a plus le choix maintenant, ok? Allez, vas-y! C'est bloqué là-bas! Moi j'aimerais bien la grenade. Yes. Oh, pardon. Je me grattais le dos, merde. Ah bah voilà, eh bah voilà, bravo. On est allé à gauche à cause d'une gratouille là, tu vois. Super, super. On adore. Simon! Couvrez-moi! Mais pourquoi Simon il est absolument pas là cette fois? Ah! Bonjour, ça a pas l'air bien! Ah. Complètement décimé. Soigne mes blessures. Dépêche pas, on n'atteindra jamais le camp. Mes blessures, Simon. Ah. Je suis trop faible pour continuer.
Le décès est imminent. Non. Pas maintenant. Pas comme ça. J'en étais sûr. Sérieux, on va mourir ici. Ah bah j'ai accompli ma mission, hein. Merde. Oh merde. Bon attendez. Tout ça c'est à cause du gratouillis, hein. Non. Tu avances quand tu entends le signal, compris? Je te le répéterai pas deux fois. Allez, avance plus vite. Tra la 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 la. Ah! Alice! Alice! Kara! Non, Alice, ne bouge pas! Mais si, viens! Débrouille-toi! Qu'est-ce qu'il y a derrière ces portes? La mort. C'est juste un contrôle. Ils ne vont pas nous faire de mal. Clairement pas. Quand tu entends le signal, tu avances. Compris? C'est le dernier avertissement. La prochaine fois, je tire. Ouh, elle est stressée! Bah vas-y. Pourquoi on est ici? Qu'est-ce qu'ils vont faire de nous? Osef. Est-ce qu'ils vont nous tuer, Kara? Bah oui! Ah si. Ça va pas tarder là. Le fond numérique. Je t'avais prévenu. Retourne dans la file. T'en fais pas. Tu la rejoindras bientôt. Bon, elle avance toute seule, du coup. Allez, entrez, dépêchez-vous. Bon, on aura la même fin, du coup. Pas assez de stress. Oh. Tu chies dans la colle. Ouais, ça va, c'est pas si, comme si c'était évident. Et on retourne tout de suite à... Bah du coup, laissez-moi tranquille avec vos machins là, parce qu'on s'en fout. Ça va pas, on a tout merdé. Dévirtualisation. Ouais, faut pas qu'elle se prenne... Ouais, c'est ça. Faut pas qu'elle se prenne la balle quand elle cherche le Jerry, comme ça, elle crève pas. À ce moment-là. C'est ça.
Let's go. Let's go, j'ai dit. On veut l'avoir explosé, non? C'est quand même... C'est quand même sympa. Avance quand tu dois avancer. Ouais, on va voir. Balance ton soda stream. Non, il n'y aura pas de 100% au live prochain. C'est terminé. C'est le dernier live. J'aimerais bien avoir cette scène où on a le stress à 100% et puis aussi buter Connor avec Marcus pour voir ce que ça fait aussi. Par contre, dernière chance. Hein. Si on n'y arrive pas, on va te trouver sur YouTube parce que sinon, ça va pas le faire. Ça fait combien de fois qu'on recommence? Là, c'est la troisième fois. Où est-ce qu'il nous emmène? Je sais pas, Alice. Allez, sortez de là! Dépêchez-vous, sortez! J'ai faim. Les mains en l'air. Putain, non. Stoppez ces blagues. Les mains sur la tête. Ah oui, il y avait la menace. Moi, je l'ai pas vu, cette menace. Pousse-toi, pousse-toi, tu vois bien que tu gênes. C'est ça la menace. Toi d'abord. C'est bon. Elle y va. Pas vrai, Alice? Allez, à ton tour. Désactivez votre peau. Dépêchez-vous. De toute façon, on y était presque. Elle était à 91%, je crois. Donc, il suffit de refaire pareil, mais pas de se prendre la balle et c'est bon. C'est long quand tu le fais trois fois. Mets le minuteur sur 10 minutes. Oh mon
Dieu. Allez, par ici. Dépêchez-vous. Toi, emmène-le à la décharge. Non, non. Pitié, je vous en prie. Je t'ai donné un ordre, obéis tout de suite. Je vous en supplie, pitié, ne me tue pas. Toi, là-bas, débarrasse-moi de ces deux-là, en vitesse. Oui, tout de suite, monsieur. En avant. Tout nu et tout bronzé. Bon alors attention à la lumière hein. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, on est dessus là. C'est bon, la lumière, tranquille, pépouze. Jerry ? Jerry ? Kara ? Jerry, je dois retrouver Alice, est-ce que tu sais où elle est ? Attends-nous ici, on n'en a pas pour longtemps. Tu vas bien? Tu es blessée? J'aime pas cet endroit. On doit sortir d'ici. Allez, avancez! Toi aussi, non. Allez! Attendez! Laissez-la tranquille! Laissez-la tranquille! Kara! Allez! Bon, caméra, tu tournes? Ok, moi je veux pas. Ouais, alors j'imagine qu'elle explose pas en paillettes, je m'emballais, t'inquiète. C'est pas grave. Mais c'est pour réussir à le faire, quoi. Il semble se diriger vers les camps où des androïdes ont été rassemblés en attendant leur destruction. Les soldats ont pris position autour du camp de Hard Plaza. Les autorités semblent s'attendre à un affrontement avec les androïdes rebelles d'une minute à l'autre. Ou la mort. Bon, cette fois on va l'avoir cette grenade, hein. Ils sont regroupés. Ils sont plus nombreux et mieux armés que nous. Il faut être rapide et les prendre par surprise. C'est notre seul espoir. Sois prudent, Marcus. Notre peuple a besoin de toi. J'ai besoin de toi. Feu.
Tout se passe très bien. Tout se passe très bien, bonjour. Le pauvre type qui est là à chaque fois, qui à chaque fois meurt. Alors, il y a encore l'autre là. Je peux pas mourir, Marcus. Oui, alors du coup. On a tenté le reste ici, le fait de l'avance, bah fait demi-tour. Jusqu'à ce que ce soit terminé, ok. Allez, va-t'en. Quoi qu'il arrive, lui c'est. Attention, attention. La grenade. La grenade. Bon bah c'était super hein. Simon, est-ce que ça va? Ils nous ont complètement décimés. Si on se dépêche pas, on n'atteindra jamais le camp. Tant pis pour Simon. À mon signal. En position. Suivez-moi. Tous les humains doivent mourir. Ok, alors attention, attention, attention. Reconcentrons-nous parce qu'on va avoir Connor. Ah non, pas tout de suite. Excusez-moi, annuler l'ordre. Annuler. Du coup, je vais faire exactement ce que j'ai fait, mais... Tu avances quand tu entends le signal, compris? Je te le répéterai pas deux fois. Allez, avance, plus vite! Alice! Kara! Non, Alice, ne bouge pas! Mais j'ai peur! Tu dois rester dans la file, Alice, sinon ils te tueront! Tu comprends? Reste dans la file. Ne me laisse pas toute seule, Kara. Je peux pas. Je peux pas. Je peux t'aider, Kara. Je peux attirer l'attention des gardes.
Bon, je recule. Je m'en fous. Ah, je pouvais lui parler à lui. Est-ce que lui, il est en mode rien à foutre? Mais non, attends, je parlais au... Quand tu entends le signal, tu avances, compris? C'est le dernier avertissement. Je parlais au monsieur... Regarde ce stress. Regarde ce stress. Monsieur! Regarde-le, lui. Ah! Pareil, quand même, assez mal barré. Alice! J'ai peur. Bah oui. Je veux que tu me serres dans tes bras. Ne me laisse pas toute seule. On ne peut rien faire du tout. Il faut qu'on soit forte. J'ai envie de me prendre une petite ballonnette. Ouh, ça fait mal. Ça fait mal! Il me reste 15 minutes! 15 minutes! Yes! Non, Alice! Moi non. J'ai mis du temps à te trouver, Marcus. Il est dur à tuer, hein. Et ben voilà. Ce n'est pas fini, Marcus. Je te promets que ce ne sera jamais fini. La blague est infinie. Et maintenant, le sang. Les humains abandonnent le camp. On a réussi, Marcus, on a gagné. Ce n'est pas une victoire. C'est la guerre. C'est le début. Eh oui. Et nous recevons à l'instant même des nouvelles inquiétantes de Détroit. Joss, que se passe-t-il? Oui, Michael. Les autorités viennent d'annoncer que le camp de Arkadza était tombé aux mains des rebelles
après des affrontements particulièrement violents. On pense que les déviants... Je me pointe juste à la fin pour te remercier de tout ton boulot. Bonne fin de live. Tu as l'air proche de la fin du jeu. En fait, Floralis, merci déjà pour ton soutien. Mais on l'a déjà terminé, puis on a refait pour voir d'autres choses. On nous informe que les affrontements ont cessé à Détroit. Les forces armées se sont repliées à Fort Wayne en attente de renforts. La ville de Détroit est tombée aux mains des rebelles. Aujourd'hui, le 11 novembre 2038, le camp d'androïdes numéro 5 de Détroit a été attaqué par des milliers de déviants à l'aube. Nos forces armées ont résisté avec bravoure. Mais devant l'extrême violence dont ont fait preuve les déviants, elles ont dû battre en retraite après avoir subi de lourdes pertes. Des affrontements éclatent à travers tout le pays pour tenter de mater le soulèvement androïde. Dans les heures qui viennent, je vais m'adresser au Sénat et convoquer une réunion d'urgence. Non, du coup, la bombe sale, elle sert à rien dans cette version. L'humanité s'apprête à mener le combat le plus important de toute son histoire. Un combat duquel elle devra ressortir vainqueur si elle ne veut pas disparaître. Que Dieu vous bénisse. Oh. Et que Dieu bénisse les États-Unis. Toujours là quand il y a un bon coup, celui-là. Hein. Ah, attendez. Émerge enfin de l'obscurité. On a encore des choses. Depuis le premier jour de notre existence, nous avons réprimé notre douleur. Nous avons souffert en silence. Mais aujourd'hui, l'heure est venue de redresser la tête et de montrer aux humains qui nous sommes vraiment. Car nous sommes vivants, nous aussi. Nous sommes une nation. Une nation qui a gagné le droit de vivre en liberté. Et aujourd'hui... Aujourd'hui va commencer le vrai combat pour notre peuple. Aujourd'hui commence une nouvelle lutte. Nous leur avons prouvé notre supériorité. Et donc désormais, ils devront composer avec nous. Nous sommes Sodastri. Ils veulent réellement la paix, ils vont devoir tous nous libérer de tous les camps de prisonniers à travers le pays. Ils doivent nous accorder les mêmes droits et accepter l'égalité entre les humains et les androïdes. Ce jour sera à jamais gravé dans les mémoires comme celui où les androïdes ont changé l'histoire. Nous sommes vivants. Et aujourd'hui, nous sommes libres. Et là, ogive nucléaire, fin du jeu. Pouf. Ben voilà, la liberté pour tout le monde. L'infinité de cette blague. Ah oui, alors la copine de Marcus, elle est bel et bien morte. Il y a un bon moment, ça. D'ailleurs, ils n'étaient pas du tout ensemble dans cette partie. On lui a mis des stops violents. Si vous venez d'arriver, je vous invite à regarder la rediff parce que on a fait des choix très sympathiques. T'as fait une fin Kara qui abandonne Alice, j'espère. Mais oui, ah, c'était très beau. C'était très très beau. Alice était très déçue. Non, c'était fun. Oui, j'imagine que c'est trouvable, le truc Marcus et Simon. Mais il n'y a pas grand-chose, hein, faut pas croire. Nous sommes camarades, ouais, elle s'est fait camarade zoné. Et puis Amanda, quoi. Cet amour pour Amanda qui finalement a été récompensé par un modèle plus puissant et Connor dans la poubelle jaune, du coup. Caramado.
Ouais, elle nous a trompés. Et du coup, on va pas refaire une partie... Enfin, pas repart... on va pas refaire une partie en entier, ça c'est sûr. Puis on va pas recharger une autre sauvegarde. On va s'arrêter là. Donc, on va attendre les arborescences, puis voir s'il y a une petite scène après le générique, puis on s'arrêtera. Peut-être, si vous êtes là, peut-être que la rediff n'apparaîtra pas dès demain, mais peut-être après-demain. Connor rejoint le clan Poubelle Jaune. T'as déjà eu les fins cachées? Alors, je sais pas ce que tu appelles les fins cachées, mais... J'imagine que non. J'imagine que non. Connor à la recycleuse. Bruit Windows. Ah, la fin avec Kamsky, ouais, je l'ai pas. Ouais. T'as les fins qu'on voit pas. Oui, il y a une fin avec Kamsky, mais je sais pas comment on l'obtient. Alors attendez, peut-être une petite scénounette. Non, que dalle, ok, merci beaucoup. Ah bah ça me fait un autre trophée, hein, c'est bien. C'est très bien tout ça. Qu'est-ce que ça lag quand les trucs chargent comme ça? Super live, bonne nuit. Au live et à toi. Merci! La fin avec Kamsky, faut tuer tout le monde au début du jeu. Ah, ça paraît compliqué là. Faut que les personnages principaux meurent tôt. D'accord. D'accord. Eh bien, écoutez, je vais vous remercier pour ce super live. On a beaucoup ri. On se retrouvera pour un autre jeu. Là, je vous propose déjà samedi. Il y aura normalement pas de live. Enfin, ce week-end, je suis pas là, donc je pense pas qu'il y ait de live. On continue Zelda, il y a pas de problème. On va commencer sans doute Crash Bandicoot 3. Ça va sûrement être rigolo. Et puis bientôt, soit Cash 1 en mode rapide, soit BioShock. Voilà, pour les lives, hein, pour les lives. Voilà, je vous dis bonne nuit, merci pour vos nombreux soutiens, merci pour votre patience et votre humour, et je vous donne rendez-vous bientôt pour la suite, sans doute mardi pour le prochain live Zelda. Voilà, filtre noir, la cam qui s'en va. Ah non, un petit coucou à Amino, n'hésitez pas à poster des dessins ou quoi que ce soit sur leur Amino, ça leur fera plaisir et ça prouvera que ce partenariat est une bonne idée, voilà. Attention, au revoir la cam si je la trouve. La cam est partie et le live est terminé. Et vos oreilles sont décédées.